Décision à ma place. Pourquoi? Onochi, cette décision, c'est pour ton bien. Je ne l'accepte pas, père. Ça ne pourrait et ça ne doit pas se passer. Onochi, est-ce que tout va bien dans ta tête? Je veux dire, est-ce que tu serais devenu fou par hasard? Maintenant, écoute-moi bien. Je suis le roi ici. Et je suis ton père. Mes ordres supplantent n'importe quel autre ordre dans ce royaume. Et tant que je respire, mes ordres régissent. Alors vous ne vivrez donc pas pour le voir. Votre Majesté, je ne vois rien. C'est tout simplement un mauvais rêve. Il n'y a pas une raison de s'alarmer. Tout va bien. Oui. Anyana Fouedi. Anyede Afumo. Okalamadin. Okalamo. Alors, es-tu vraiment certain de ça? Oui, Votre Majesté. Je suis très certain. Je ne peux pas dire ce que les dieux n'ont pas dit. Je vais me retirer maintenant. Longue vie à vous, Majesté. Ah bah vous m'essayez. Pourquoi voulais-tu me voir? Tu sais, en fait, tu es la meilleure. Tu es sérieux? Ouais. Hein? Ah bon? Je peux tout faire pour toi. J'ai acheté cette moto la semaine dernière. Pour toi? Ouais. Oh mon Dieu, en plus, je la conduis très bien. Je peux t'amener n'importe où, tu vois. Fais marche arrière. Marche arrière. Marche arrière. Je peux t'amener n'importe où dans ce village. Donc, tu peux bien. Oui, je peux, je peux. Quoi? Bon après-midi, Altesse. Tu es devenu fou? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ferme-la. Tais-toi. Ferme-la avant que je ne m'en prenne à toi. Dégage d'ici. Désolée, Altesse. Je suis vraiment désolée. Fiche le compte ici. Tu oses encore parler? Ma princesse, je connais. Ferme-la. Ferme-la. Ne dis pas un mot. Est-ce parce que je me suis rabaissée à ton niveau? Espèce d'ordure. Ferme-la. Embarquez-le. Et enseignez-lui comment ne plus être infidèle. Mettez cette chose dans la voiture. Jetez-le dedans. Poussez-le. Mon ami, entre dans la voiture. Poussez-le à l'intérieur.
Afounoua. Votre Altesse. Afounoua. Je veux savoir où est cette espèce d'idiot que j'ai laissé sous ta surveillance. Tu l'as laissé s'enfuir? Non, Altesse. La reine nous a dit de le relâcher. Pardon? La reine a fait quoi? Oui, je l'ai fait. Adézé, comment as-tu pu faire ça? Comment? Mère, ce garçon m'a insulté. Il a osé insulter ma personnalité. Il aurait dû rester là jusqu'à ce que je décide de son sort. Non. Tu ne lui as même pas donné l'occasion de parler. Tu ne lui as même pas donné une chance de te dire qui était cette fille. Tu as ordonné à tes gardes de le frapper. Et en plus, tu l'as enfermé. Et s'il mourait là-bas? Je m'en moque, maman. Tu ne devrais pas. Je m'en moque. Tu ne devrais pas. Parce que c'est la saison de ce royaume. Adézé, où penses-tu aller avec un comportement aussi démoniaque? Réalises-tu que tu es une femme? Mère, ça c'est ce que je n'accepte pas. Je refuse de l'accepter. Père! Adézé! Je ne l'accepterai pas. Adézé! Oh Dieu! Que fais-tu encore planté là? Va à ton poste! Aïe! 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 Adézé Bani! Il aimait fort pas! Aïe! Alors qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que je n'aurais pas dû faire ça? Mais il m'aurait prise pour une idiote! Je ne pense pas, Altesse. Tu aurais dû au moins lui donner l'occasion de se justifier. Ou encore le laisser tomber, au lieu d'attirer l'attention, inutilement, comme tu l'as fait. Je devais lui donner une leçon, pour que la prochaine fois, il ne cherche pas d'ennuyer personne comme moi. Tu t'imagines? Tu t'imagines le va-nu-pied à qui j'ai donné l'occasion de côtoyer la royauté? Non, mais tu t'imagines? Je comprends. Mais je dis juste... Tu ne comprends absolument rien. Tu ne dis rien. Ce garçon m'a insulté. Il a insulté ma personnalité. Il a insulté ma personne. Tu n'as rien à dire. Si ce n'était pas à cause de ma mère, il serait encore dans la prison du palais. S'il te plaît, changeons de sujet. Parlons d'autre chose. Parle-moi d'autre chose, de n'importe quoi. Mais surtout, pas de ce garçon. De quoi, par exemple? Alors, quand est-ce que ton petit ami revient? Ouvre la bouche, tu bois le remède, hein? Papa! Oh, nous savons. Mais efforce-toi. On papa, bois ton remède, non? Il faut juste ici. Papa, bois, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de faire comme un enfant. Mon mari essaie. Désolée, je suis désolée. Arrête de dire ça, hein, s'il te plaît. Papa. Papa, pourquoi dis-tu ça, hein? Hé, hey, papa, courage. Ça va aller, tout ira bien. Ça va aller, d'accord? Pardon, pardon. Hey, tu prends juste ça, s'il te plaît. Oh! Aide-nous, s'il te plaît. Hey, ouvre ta bouche, hein? Papa, bois ton remède maintenant, hein? Désolé, courage, ça va papa. Aller. Tout ira bien. Ça va aller, ok? Maman. Oui. La maladie de papa devient incontrôlable, hein? Nous devons l'amener à l'hôpital. L'emmener dans quel hôpital? Ocheina, pourquoi fais-tu comme si tu ne vivais pas dans cette maison? Nous n'avons pas d'argent pour manger et toi tu me parles de l'amener à l'hôpital. Pourras-tu payer les factures de cet hôpital? Ocheina, laisse-moi tranquille. Ah ah, Ouché, pourquoi réfléchis-tu ainsi? Tu n'arrêtes pas de dire ça. Hein? Qu'est-ce que maman doit donc faire là maintenant? C'est pour que je me tue. Hein? Que j'aille me placer en route pour que la voiture m'écrase, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Hein? Nous croyons que papa ira mieux. Hein? Ne t'en fais pas. Hein? Nous croyons que... Le remède va l'aider. Ça va aller. Courage, papa. Je suis sûre que cette plante va te guérir. J'ai foi en Dieu. S'il te plaît, ouvre la bouche. Hé, hey, Dieu, Dieu. Arrête de dire ça. Pourquoi sommes-nous aussi pauvres? Hein? S'il te plaît. C'est comme si dans ce village, nous sommes les plus pauvres. Ferme ta bouche. Ah, je ne sais pas d'où vient ce garçon. Ouché. Pourquoi es-tu aussi négatif? On est en train de dire non, mais tu continues. Ouchena. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ouchena. Pourquoi réagis-tu ainsi? Hein? Pourquoi es-tu si négatif?
Papa, tout ira bien. Papa, désolé. Hein. Je ne peux plus. Hey. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. La douane ne peut pas saisir et empêcher la livraison de mes produits. Ce n'est pas possible que les douaniers refusent de laisser passer ma marchandise qui est arrivée. Non, ce n'est pas possible! Comment osent-ils? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas bien compris qu'ils ne doivent pas oser. Surtout après tout l'argent que j'ai dépensé pour le parti. Même le président, avec tout l'argent que je lui ai donné lors de sa campagne, ils ne peuvent pas oser, surtout pas. Votre Majesté, ce n'est pas de leur faute. Pedro nous a tous trahis. Quoi? Mon propre Pedro? Oui, Pedro. J'ai élevé Pedro. J'ai formé Pedro. Et il connaît les règles. J'ai mené toutes mes enquêtes. Ils sont tous d'accord. J'ai aussi eu quelques discussions. Et je les ai toutes enregistrées. Pedro est un traître. Oui, Majesté. Oui, Votre Majesté. C'est exact, Votre Majesté. Très bien. Vous pouvez partir. D'accord, Votre Majesté. Blade, Sa Majesté m'a demandé de te remettre à ceci. Je ne sais pas pourquoi elle a voulu qu'on se voie ici. C'est pas du tout mon affaire. Ogona, ma sœur. Parfois, je souhaite que la princesse Olochi soit la seule princesse de ce palais. Pareil pour moi, ma chérie. Adézé est aussi méchante que son père. En plus, elle oublie qu'elle est une femme. Et qu'elle se mariera un jour. Se marier? Quel homme l'épousera avec un tel caractère? Voyons, Maji. Adézé est princesse. Elle est peut-être promise à un prince dans un royaume, malgré son sale caractère. Quel prince? Quel royaume? Altesse? Altesse. Votre langue vous causera des ennuis un jour. Nous sommes désolés, Altesse. Adézé reste ma grande sœur et je l'aime toujours, malgré tout. Nous sommes désolés, Altesse. Tenez ça. Altesse, vous voulez qu'on les lave maintenant? Non. Je veux que vous les gardiez pour vous. Oh. J'ai fouillé ma garde-robe et je sais que vous pourriez en vouloir. Merci beaucoup, princesse. Merci, Altesse. Oh, c'est trop beau. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Altesse. Merci. Pas de quoi. D'accord. Allez maintenant vous rendre ici avant que Père ne vienne vous trouver là. C'est compris? Merci. Merci beaucoup, Altesse. Merci. Oh, my God.
Arrête-toi là. Igwe! Igwe! Longue vie à vous. D'où sortez vos toutes, femmes? Ah, du palais. Nous venons du palais. Oui. Mon palais? Oui, Igwe. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans mon palais? Ah, nous sommes allés voir la reine et elle nous a donné un peu d'argent. Oui, Igwe, vous voyez, comme nos familles souffrent beaucoup, alors elle a décidé de nous aider. Oui. C'est une très bonne personne. Je vois. Garde. Fouille-les. D'accord, Majesté. Igwe. Remettez-le moi. C'est tout. Oui, Majesté. Oui, Igwe. Hey. Je vous avertis, femme. Je ne veux plus jamais vous voir venir dans mon palais comme ça. Alors maintenant que vous m'avez désobéi, que dois-je faire de vous? Père, je pense simplement qu'ils doivent partir loin d'ici avec leur sale corps qui pue. Je n'arrive même pas à supporter la puanteur. Igwe, s'il vous plaît. Pardonnez-nous. Igwe, pardonnez-nous. D'accord, s'il vous plaît. D'accord. Vous devez remercier votre bonne étoile. Ma fille a pris votre défense. Mais je vous préviens, prochainement, que je ne vous surprenne plus, que je ne vois plus vos petites pattes de cafard dans mon palais. Allons-y. Foutez le camp. Igwe. Igwe, c'est quoi qu'on veut nous faire? Aïe, lele. Onyane, menkiri, adirom, mi pontoué. Aïe, lele. Aïe, lele. Aïe, lele. Aïe, lele. Aïe, lele. Afoma. Majesté, j'espère que tout va bien. Est-ce que je ressemble ou fais comme si tout allait bien? Hein? Afoma. Majesté. Pourquoi t'entêtes-tu à me désobéir? Presque tout le temps. Tu me regardes comme si tu ne comprenais rien. Afoma. Majesté. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux finir mon argent? En gaspillant mon argent pour des choses sans valeur? En jetant mon argent par la fenêtre? Hein? T'ai-je fait du mal? Majesté, ces femmes font partie de notre peuple et elles méritent... Afoma. Majesté. Écoute, cet argent m'appartient. C'est mon propre argent durement gagné. Tu sais, je ne regarde pas tes multiples balades non contrôlées. Tu peux aller où tu veux. Alain, tu sais, tes nombreux voyages pour acheter des voitures et autres. Mais laisse-moi te dire que je te préviens, femme. Le fait de sortir mon argent en espèces, le fait de sortir des liquidités pour le jeter dehors, pour l'éparpiller, attention, je ne l'accepterai pas. Et ça, ce sera la dernière fois que ça arrive. Tu comprends? J'en ai terminé. Charité, mon œil. Ah! C'est bon. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il te plaît, ne me raconte pas ça. Je ne veux pas l'entendre. Hein? Qui pense-t-il être? Il n'a qu'à aller en enfer avec son argent.
Ichiena, ferme-moi ta bouche. Sais-tu que tu es en train de parler du roi? Tu parles de Sa Majesté le roi. Oh oui, Sa Majesté le roi, mon œil. Est-ce que tu vas te taire? Mais maman, pourquoi le roi est-il si méchant et avare? Demande-lui. Pourquoi est-ce qu'il refuse d'aider ses sujets? Il vit dans un palais flamboyant avec beaucoup de choses. Mais jusqu'ici, aucun de ses sujets ne peut en bénéficier. Hein? Tu vois, maman, je vais gagner de l'argent. Tellement d'argent que dans cette famille, il n'y aura plus jamais de pauvreté. Hey, amen. Amen. Amen, Ushina. Amen. Oui. Voilà ce que tu es censé dire. C'est ce que tu es censé dire. Votre Majesté. Oui. Longue vie à vous. Votre fils, le prince Onochi, au téléphone. Onochi. Oui, fils. Oui. Ça fait du bien de t'entendre. Oui. Oh, tout le monde va bien. Très bien. En fait, nous rayonnons. Nous sommes radieux. Oui. Oh. Ah. Fils. Fiston, tu reviens? N'est-ce donc pas là une merveilleuse nouvelle? Oh, ça c'est parfait, ça c'est parfait, ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Tu sais, fils, c'est vraiment merveilleux que tu reviennes afin de commencer à t'habituer à nos règles de conduite et de prendre connaissance de nos rites et coutumes et surtout des valeurs de notre peuple. Oui, c'est correct. D'accord. Oh oui, oh oui. je ris vraiment. Je suis content. Très bien, fils. Ah, ok. D'accord, 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 d'accord. À bientôt, fils. Je t'aime. Bien, bien. Ah! Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il va arriver. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci, Majesté. Oh, ça, c'est bien. Je te le dis. Ça, c'est bien. Uti Agonemon. Uti Agonemon. Uti Agonemon. Non. Oh. Non. Mon roi. Non. Akeneloniza. Bien sûr. Nous allons quoi, bon? Nous remercions nos dieux parce que je vous ai demandé qu'on se réunisse et nous avons accepté de nous réunir. Et nous nous sommes réunis. Nous sommes là, mon roi. C'est pourquoi je vous dis bienvenue à tous. Merci. Merci. Je voudrais tous nous informer que le prince de ce royaume, mon fils, va revenir sur ces terres en provenance des États-Unis d'Amérique. Ah, hein? Oh! Oh, bon donc, qui fait? Ah, mon ami! Une bonne dame! Et Dieu de le monde! Et il sera ici le week-end prochain. Oh! C'est bonne nouvelle! Oui. Wow. Mais en plus de cela, vous tous ici présents, vous les anciens, qui êtes avec moi depuis des années déjà. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, je vous demande à vous tous, je fais appel à vous tous, s'il vous plaît. Soyez tous présents ce jour, afin que, ensemble, nous souhaitions la bienvenue à notre prince. Oui, c'est ça. Igwe. Ichikanamu. Votre Majesté. Vous avez parlé comme le roi que vous êtes. Que les dieux de nos ancêtres soient toujours avec vous. Que les dieux t'entendent. Votre Majesté, Nishi, c'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Que le prince se revienne. Parce que ça lui permettra et lui donnera l'occasion de comprendre les attitudes de son peuple. Exactement. Exactement. Oh oui, oh, moi, tu as très bien. C'est vraiment très important ce que tu es en train de dire là. Hein. Venez.
tel que le roi l'a indiqué, oui. Il est de la plus haute importance. Oui. Qu'il revienne ici et qu'il apprenne de son père. Oui. Je sais qu'il doit être un grand prince comme son père, notre grand Igwe. C'est vrai. C'est donc ce dont tu es en train de parler. Parce que un lion ne peut faire qu'un lion. Oui. Exactement. Tout à fait. Et lui, il est un lion. Pose la question. Un lion. Et je sais. Je sais que nos ancêtres vont le ramener ici, sans et sauf dans sa communauté. C'est... Je parle du grand roi. Ah. Et Dieu que le monde. Et Dieu que le monde. Et Dieu que le monde. Igwe. Notre prince est de retour. Bienvenue. Bienvenue, fils. Merci, père. Bien. Allons-y. Je dois partir souhaiter la bienvenue au prince Onoshi. Pourquoi doit-il revenir maintenant? Je pensais que ce garçon avait oublié ses origines et ne devait plus jamais revenir. De la sorte, moi, je pourrais occuper le trône puisqu'il est son unique fils. Pourquoi est-il revenu? Pourquoi? Je ne peux pas l'accepter. Non. Oh mon Dieu, donc c'est comme ça que vous mangez ici?
je comprends pourquoi vous êtes aussi beau et belle. Ainsi que toi, Kaima. Oh, merci, merci. Oui, tu vois, je sais que tu as beaucoup raté. Hmm? C'est de cette façon que nous mangeons ici. De la pure nourriture africaine. Du apo. Parfois la sauce bitter leaf. Parfois on fait juste la sauce oura. Hmm? Aujourd'hui, c'est quoi? Du sala. Ceci a spécialement été préparé par ta maman ici présente. Eh ben, malheureusement, toi, tu ne manges pas du apo. Mais pas de problème, prends du gari. Hmm? Mais c'est comme ça que nous mangeons ici, tu sais. On n'est jamais mieux que chez soi. Tu vois, regarde, tu vois celle-ci? Ça m'en est dans mon plat. Dis-moi, mon fils, comment ça s'est passé de l'autre côté? Oui, dis-nous. Rien de spécial. J'ai passé la majeure partie de mon temps à l'école d'évangélisation. Imagine-toi, maman. Nous avons une fois organisé un événement. Nous avions invité Benehin et d'autres grands pasteurs. Hey! Oh mon Dieu, et ces pasteurs ont fait des merveilles. Hey! Oh wow! Hey! J'aurais aimé que vous soyez là. Attends. Tu veux nous faire croire que c'est ce que tu as passé ton temps à faire aux États-Unis? Grand frère, as-tu pu prendre des selfies lors de ces cérémonies? Ce sont des hommes de Dieu. Excusez-moi. Pardon. Kayama. Hey. Fils. S'il vous plaît. Concentrons-nous d'abord sur ce que nous faisons. Mm-hmm. Et on parlera du reste après. Oui, oui. Tu as raison, chérie. Wow, ça c'est bien. Attends, ça ce n'est même pas vraiment joli. Tiens, maman. Oh, regardez cette crêpe. Parce que je ne t'ai pas montré. Je suis impatiente. Ah, hey, ça c'est vraiment joli. Regarde ça. Oh, pardon. Mère, où est père? Oh. Fils, ton père est occupé. Je ne pense pas qu'il va descendre maintenant. Mais nous pouvons continuer sans lui. Ok, prions. Aha. Ok. Levons-nous. Adèze, lève-toi. Kayama. You are a great God. 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 Oh, I know. Our Father in heaven, we glorify your name. We bow down before thee. Our Father in heaven, we glorify your name. We bow down before thee. Père céleste, tu es Dieu. Père tout-puissant, nous te louons. Oui, Seigneur. Père tout-puissant, nous te remercions pour ta grâce. Dieu tout-puissant, nous te remercions pour ta protection. Oh Dieu. Abba Père, je te remercie d'avoir été avec ma famille. Ah oui, Seigneur. Je suis venu les trouver en vie et en bonne santé. Que ton nom soit glorifié. Je te remercie de m'avoir amené vers eux, sains et saufs. Car si nous sommes en santé aujourd'hui, c'est uniquement par ta grâce. Oui, Seigneur. Je te remercie pour ce qui se passe dans ce royaume. Tu es un Dieu puissant. Amen. Je te remercie, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je te recommande cette nuit, Seigneur. Oui. Protège-nous. Oui, Seigneur. Protège ma famille. Envoie tes anges pour nous protéger. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare qu'il ordonnera à ses anges de nous garder. Oui, Seigneur. De nous porter sur leurs bras. Oui. Que rien de mal n'arrive à cette famille. Maintenant, je commande avec autorité que tout esprit rôdant en ce lieu et en cette nuit soit lié au nom de Jésus. Amen. Père, parce que tu es Dieu, j'ai parlé.
Car moi, ton serviteur, je suis venu. Je suis venu sommer toutes les puissances qui ne sont pas de toi de quitter ce royaume. Oui. Amen. Que ta puissance et ta gloire remplissent ce lieu. Amen. Tu es vraiment Dieu puissant. Amen. Prends soin de ce royaume. Amen. Prends soin de cette famille. Amen. Prends soin de mon père, le roi. Amen. Accorde-lui la sagesse. Amen. Accorde-lui ta grâce. Oui, Seigneur. Accorde-lui l'intelligence. Oui, Seigneur. De diriger ton peuple. Amen. Pour qu'il te serve. Mm. Pourvois, Seigneur, à tous leurs besoins. Mm. Père Tout-Puissant. Merci d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Juste une chose. La prochaine fois que tu auras envie de faire une prière de nuit comme aujourd'hui, s'il te plaît, essaie de la rendre aussi brève que possible. Tu ne comptes quand même pas nous laisser debout pendant les heures juste parce que tu veux prier. À des heures. Mais votre majesté, elle a raison. En plus, il y a un temps pour d'autres choses. Kayama. Kayama et à des heures. Bonne nuit. Ah, ça va, mon fils. Mon chéri, oh. Fais de beaux rêves. Les gens ne savent pas qu'ils ont le privilège. Bonne nuit, fils. Les enseignements bonne de Dieu. Nuit. Allons-y. Dors bien. Bonne nuit. Ne t'inquiète pas pour Adese et Kayama. C'est ainsi qu'elles sont. Père? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Kayama fait dans ma chambre? Vous savez qu'on n'est pas censé passer la nuit ensemble. Nous ne sommes pas encore mariés, papa. Onochi, tu me fais rire. Vraiment, c'est tellement impressionnant, tu sais. Je t'ai envoyé à l'extérieur pour que tu découvres de nouvelles choses. Pour que tu sois ouvert. Maintenant, écoute. Kayama, c'est ta promise. Tous les deux, vous êtes censés rester ensemble. Vous êtes censés rester ensemble dans la même harmonie. Tu es censé l'étudier, la connaître, rester avec elle. Et bien sûr, toute autre chose peut arriver par la suite. Et voilà, c'est ça la vérité. Et ta chambre? Eh bien, c'est l'unique endroit de ce grand palais où non. Vous pouvez rester ensemble. Non, père. Vous savez que la Bible condamne tout ceci. Non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. C'est un péché contre Dieu. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Dis-moi. Où as-tu reçu toutes ces idées stupides? Toutes ces idées que tu balances par-ci, balances par-là? Où les as-tu prises? Très bien, alors, maintenant tu es de retour chez ton père. Tu es de retour chez toi. Tu es retourné à ta véritable culture. Alors apprends nos façons de faire. Retourne dans ta chambre et occupe-toi de Kayama. Désolé, père. Je ne voulais pas être impoli. Bonne nuit. Bonne nuit. Rappelle-toi, nous irons à Eba demain matin. D'accord, père. Kayama. Oh, c'est quoi ce genre de question stupide? Tu ne sais pas ce que deux adultes censés se marier doivent faire au lit. Je ne sais pas, moi.
D'accord. Tu ne le sais pas? Laisse-moi te dire. Ils font l'amour. Alors, fais-moi l'amour. Allons. Je te rejette. Si tu ne te respectes pas maintenant, je te jetterai dehors. N'importe quoi. Tu es sérieux? Mais d'où sort ce genre de gars? D'où viens-tu? Allez, approche. Arrière de moi, Satan! Peut-être que je dois aller dans la chambre d'amis. Baliverne. Hein? Ce gars est sérieux? Qu'est-ce que tu dis, Caïman? Votre Majesté, je vous dis la vérité. Il a passé la nuit dans la chambre d'ami. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais comment peut-il sortir sans rien dire à personne dans la maison? Il n'est même pas sorti avec sa voiture, encore moins avec ses gardes. Ça ne lui ressemble pas. Même s'il ne voulait le dire à personne, il me l'aura au moins dit. Je suis sa préférée. Pourquoi êtes-vous tous inquiets pour Onochi? Il reviendra certainement. Pasteur, honnêtement, le message d'aujourd'hui était merveilleux. Je suis béni. Tout le plaisir est pour moi. Louange soit au Seigneur, oh, oui. Le Tout-Puissant. Je l'ai adoré. Merci beaucoup, mon prince. Merci beaucoup. J'apprécie si vraiment votre acte de gentillesse. Merci une fois de plus. Votre recommandation est parfaite. Et je l'apprécie beaucoup. Je pense que ça va augmenter ma spiritualité afin de faire plus de bien dans la maison de Dieu. Donc, je vous remercie beaucoup. Mon Altesse, s'il vous plaît. Bonne soirée, Dieu. Oui, mon frère. Je t'en prie, sois béni, mon frère. Votre Altesse, voyez-vous, j'aimerais vous parler d'une chose. S'il vous plaît, essayez toujours de communiquer avec Dieu chaque matin en premier avant de faire toute autre chose. Bien sûr. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, je vous comprends. Bien. C'est la première des choses à faire le matin avant toute autre chose. Et toutes les autres choses vous seront données en retour. Oui, parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Psaume chapitre 100. Merci, pasteur. Oh, bonjour, ma soeur. Sois bénie, ma soeur. Il dit, poussez vers l'Éternel. Des cris de joie, célébrez-le. Parce qu'il a fait des choses merveilleuses. C'est vrai, pasteur. C'est alors, vrai. De grâce. C'est vrai. Il faut toujours louer le Seigneur et aussi communiquer avec lui avant toute autre chose. En fait, quand je suis revenu, j'ai pris connaissance de ce que le Seigneur fait ici. Que tu je sois là et je suis content de moi. Dieu vous bénira pour ce que vous faites, pasteur. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Pas de quoi. Merci je beaucoup. Je dois partir. Mes salutations à votre famille. Ok. D'accord, pasteur. N'oubliez pas ce que j'ai dit. D'accord, pasteur. Et il faut communiquer avec Dieu, toujours et toujours. On se reverra bientôt. Oh, mon Dieu. Louange soit rendue à Jéhovah, le Tout-Puissant. Tu es Jéhovah Jiré, Jéhovah Nissi, Jéhovah El Shaddai. Que ton nom soit glorifié, un autre converti. Oh, gloire à Dieu. Onochi, comment vous allez? Onochi, c'est donc vrai? Où étais-tu? Je ne comprends rien. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une obligation? Regarde ton fils. On dirait un masque. Oh non, je t'ai dit qu'on ira à Eba ce matin, pas vrai? Tu t'es levé. Ensuite, tu as disparu pour je ne sais où. Et tu te tiens là, avec ton habit de peau de lézard ou de python ou de je ne sais quoi. Fauve déchaîné, tu es maintenant un lion?
Tu te tiens là et tu me dis père, je ne comprends pas. Père, je suis désolé, j'étais parti pour Good Morning Jesus, une dévotion matinale qui nous permet de commencer la journée avec Dieu. C'est tout. Ha! 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 Ils ont tué ce garçon. Ils ont tué ce garçon. Oh non, tué. Qu'est-ce qu'ils t'ont injecté dans le corps de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ton sang n'est plus comme le nôtre. Ton sang est devenu bizarre. Je ne sais pas si le tien est de couleur jaune. Évidemment, père. Sans aucun doute, quelque chose ne va pas quelque part. Oui! Certainement. Il n'y a aucun doute. Kayama, tais-toi! Doit-on te rappeler que je t'adresse au prince? Mon fils? Ton fils? Ce machin-là, c'est ton fils? Peau de lion. Il est maintenant un lion et il peut faire tout ce qu'il veut. Depuis qu'il est revenu de l'étranger, personne ne sait ce qu'il est. Est-il à gauche? Ou à droite? On ne sait pas. Écoute, s'ils ont mis quelque chose dans ta bouche, du poison ou autre chose, ouvre ta bouche. Ah, fais comme ça. Vomis-le. Vomis ce poison. J'en ai terminé avec toi. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Onotier, mon fils, viens avec moi. Non, ne me touche pas. Tu sais, fils, il y a deux choses que j'aimerais te dire maintenant. Tout d'abord, les affaires de ce royaume sont une priorité absolue. Et en second lieu, ce que j'ai entendu ce matin ne me plaît pas du tout. Kaïma m'a dit que tu ne l'as pas touché la nuit dernière. Père, vous vous en rendez compte? Cette fille essaye tout le temps de s'offrir à moi, de force. Est-ce ainsi que nous vivrons? Non. Mais ça c'est... C'est une obligation que tu as envers elle. Tu es redevable à tout le monde dans cette affaire. C'est insensé. De la pure folie. Fils. Regarde-moi. Regarde ton père. Est-ce que tu penses que je rajeunis? Est-ce que je rajeunis? Garçon, réponds-moi. Est-ce le cas? J'ai besoin de voir. J'ai besoin de sentir. Mes petits-fils et petites-filles. J'ai besoin de porter tes enfants. Nous devons nous préparer. Tu m'accompagnes à Eba pour la fortification et la protection. Mais père, mais... J'en ai terminé. Et c'est ainsi. Oui. Vous pouvez m'arrêter tout ça? Allons, arrêtez ça! Mais Majesté! C'est quoi cette foutaise? Majesté, que faites-vous? Vous ne savez pas que nous devons marcher sur ces roses? Arrêtez-vous là-bas! Comprends que je suis un homme naturellement sain. Je n'aime pas ces choses. Même mère ne peut pas me stopper. Mais Majesté, ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas vrai! Enfin... Tu es une royauté. Tu es né pour marcher sur ces roses. Regarde tous ces gens. Regarde-les. Ils sont formés pour te servir. Et tu es censé être servi. Tu n'as pas décidé d'être qui tu es. Nos dieux t'ont choisi. Compris? C'est ce qui est. On nous tient pour l'amour du ciel. Tu es un prince. Maman, tu as raison.
Je suis un prince et non Dieu. Seul Dieu mérite tout, tout ce Hey 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 Chut. Ferme-la. Ferme-la. Maintenant, écoute-moi. Je t'accorde du respect parce que tu es mon fils. Aussi parce que tu y es. Parce que tu es le prince héritier du trône. Mais s'il te plaît, ne me mets pas hors de moi. Tu comprends? Ne me mets pas hors de moi. Non, non. Majesté, s'il vous plaît. Onotier, tu connais ton père. Écoute ton père. Au moins une fois. Maman, je suis un homme. Et j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Je sais. Maman, aussi longtemps que cette règle sera en vigueur, je ne pense pas que je sortirai de nouveau. Quoi? Attends. Pardon. Tu ne sors plus? Adoché. Pardon. Adoché. Reviens ici, Adoché. Reviens. S'il te plaît, on a un rendez-vous important. Reviens, s'il te plaît. Votre Majesté, le prince prend plutôt beaucoup de temps pour venir. Oui. N'est-il pas au courant qu'il devrait prendre part à cette réunion? Eh bien, ça va. J'ai envoyé Igwe Buke pour s'assurer qu'il se dépêche. Votre Majesté, le prince n'est pas dans le palais. Quoi? Le prince est sorti. Sorti? Pour l'église? Sans aucun doute, Majesté. Votre Majesté, comment cela est-il possible? Mais pourquoi nous fait-il attendre tout le temps? Pas une fois de plus, Igwe. En plus, Onichi ne peut pas éviter la réunion avec le faiseur de roi, alors qu'il connaît très bien que le futur de ce royaume repose sur ses épaules. Mais voyons! C'est indéniable. Comme vous l'avez dit, c'est inacceptable. Mais voyons. Bam! Hein? Comment osent-ils nous manquer du respect de cette façon? Nebe, Gwen! Nebe! Hein? C'est impossible! Igwe, réveillez-vous! Mais Igwe, permettez-moi de le demander. Y a-t-il quelque chose que vous connaissez dont nous ne sommes pas au courant? Que nous ne connaissons pas? Parce que, en fait, les choses ne sont plus sous contrôle. Comment? Le prince préfère les affaires de l'église au détriment de celles de sa communauté. C'est inconcevable. Cela n'a aucun sens. Hey! Ce pasteur. Ce pasteur, si je l'attrape. J'ai le décapité. Thank you.
Excusez-moi. Ta voix est si mélodieuse. T'es certainement choriste. Excusez-moi, monsieur. Je dois y aller maintenant. Oh. Non. Je ne veux pas te faire de mal. Juste te faire un compliment. Je m'appelle Tijoke. Appelle-moi Tidje. Quel est ton nom? Mon nom, c'est Ifunia. Désolé d'intervenir, mais ta chanson, je peux la ressentir. Tu as des problèmes? Nous allons prier. Et si vous croyez, Dieu va vous donner un miracle. Et papa sera guéri. Oui. La question ici est, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Croyez-vous? Oui. 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 Si vous croyez, alors prions. 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 Seigneur, nous t'adorons. Ta parole nous dit que dans le jour de la détresse, on t'invoquera et tu nous répondras. Et la parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que tout ce qui n'a pas été planté sur toi soit déraciné. Par cette autorité, Père, je te demande aujourd'hui d'envoyer ta puissance de guérison. Amen. Pour guérir ton fils. Amen. Et maintenant, au nom de Jésus, sois guéri, papa. Amen. Je te délivre de cette maladie. Amen. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, et c'est non vrai. Le temple des maladies. Amen. Sois guéri maintenant. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que tu le feras. Merci, pasteur. Je sais Merci que tu le feras. Papa, c'est tout? Tu papa, es guéri? Papa, 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 tu es guéri. Hey. Comment te sens-tu, papa? Hey, je vais bien. Merci, mon oncle. Merci, mon oncle. Hey, papa, papa, merci tu beaucoup. Es guéri. Papa, oh, papa merci. Est guéri. Merci, merci. Papa, merci. 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 Oh, remercie le Seigneur. Merci. Tu es guéri. Tu es guéri. Hey, il est guéri. Merci, merci mon oncle. Merci. Dis merci, papa, à Dieu. Merci. Papa, tu es guéri. Bonjour, père. Ferme-la. Onochi. Père. À qui essaies-tu de ressembler? Je suis désolé. Ferme-la. Père. Je. Va-t'en. Va. Va, 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 va. Mets-toi hors de ma vue. Chérie, où irons-nous faire des courses? À Paris? Dubaï? Mmh. Ou en Amérique? Mmh. Choisis. Tu choisis Dubaï. Pourquoi ils Dubaï? Ont de très beaux articles. Oui. Alors, d'accord. J'irai avant notre mariage. Oh, oh, je suis vraiment désolée, votre Altesse. Je suis Comment désolée. Oh, tu es stupide. Tu es aveugle. Tu es folle. Oh mon Dieu. Regarde ce que tu as fait à ma robe de luxe. Bon sang. Excusez-moi, votre Altesse. Ça va, c'est bon. Non, 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 tu ne dois pas me dire cela. Ne me dis pas cela, ça ne va pas. Kaima, tout le monde peut faire des erreurs. Ok? Elle est aveugle? Quel genre de stupide erreur est cela?
Tu es folle? Ça va, ça va, ça va, ça va. Toi, hey, tu peux te retirer. Vas-y, 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 vas-y. Reviens ici. Allez. Reviens ici. Enlève ce truc de ma vue. Espèce d'idiote. Imbécile. Appelle-moi une servante plus soignée. Espèce de débile. Je me demande quel genre de servante on emploie de nos jours. Elles sont si bêtes, si stupides. Vraiment, je n'y comprends rien. Tout le monde peut faire des erreurs. Ah, ça suffit. Ah. Onéchi, de quel côté es-tu? Je te demande, Ogoshi, de quel côté es-tu? Tu es censé devenir mon mari. C'est de cette façon que tu vas me traiter? Dis-moi, Onoshi, est-ce ainsi que tu seras le mari de Kaima? Je ne peux pas supporter ceci. Excuse-moi, Tu ne peux pas supporter quoi? Onoshi, reviens ici, ne me laisse pas planter là! Onoshi, je t'ai dit de revenir. Reviens ici! Onoshi, ne me laisse pas planter ici! Reviens! Reviens ici! Ne me traite pas ici! Onoshi, non! Onoshi, reviens! Écoute-moi! Onochi. Onochi. Pourquoi ne peux-tu pas être un homme? Quand cesseras-tu d'agir comme une mauviette? Est-ce ainsi que tu comptes succéder à père? Ah, oh, pitié. Parfois je me demande sincèrement si tu es le fils biologique de notre père. Madame, fais attention. Je suis ton frère aîné. Oh, s'il te plaît, frère aîné, mon œil. Quand tu te comporterais comme tel, là, je te traiterai comme frère aîné. Hors de ma vue. Dégage! Que peux-tu dire d'autre? Hors de ma vue, dégage. C'est tout ce que tu connais. Tu devrais faire attention à toi. Sinon, tu perdras tout. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Oh, mauviette. J'aimerais que tu sois des nôtres ce soir, à la nuit de prière. Ok, je viendrai. D'accord. Ça me fera vraiment plaisir. Je viendrai. Je t'appellerai quand nous serons sur le point de partir. D'accord. Aucun problème. Oh, Kaima. Onoshi. J'ai besoin de te parler, maintenant. Oui, peux-tu me donner quelques minutes pour terminer avec Anita? Je te retrouve à l'intérieur. J'ai dit maintenant! Altesse, je crois qu'elle a raison. La ferme, idiote, qui t'a demandé de parler. Onoshi, maintenant! J'ai dit non, si tu ne peux pas attendre. Laisse tomber. Quoi? À cause de... Oh. Altesse, elle est... Jamais. Laisse. Laisse tomber si tu ne peux pas attendre. Continuons. Altesse, on peut parler plus tard. Oublie-la. Il faut l'oublier. Causons juste. Hey, Altesse. Je m'en fiche de ton nom. Ni de ta relation avec la famille du roi. Reste loin du prince. Altesse, je ne suis qu'une amie de la famille. Un autre qui, dans ce village, ignore que vous êtes la promise du prince. Très bien. Je suis contente que tu le saches. Donc, je te conseille de faire ce qui est juste ou tu t'en prendras qu'à toi-même. C'est censé être une menace. Oh non, chérie. Je ne menace pas les gens. Je fais des promesses, car des promesses sont faites pour être honorées. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue.
Aïe-lé-lé. 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 Patrick. Majesté. Patrick, mon garçon. Oui, Majesté. Oh. Oui. Ça, c'est vraiment mon garçon. Hein, Patrick? Majesté. Hé, hey, voyons. Voyons. Viens là. Ça, c'est mon garçon. Viens. Ah. Mais regarde-toi. Tu es devenu presque un homme. Merci. Comment va ta mère? Elle se porte très, très bien, Majesté. Bien. Patrick. Majesté. Hé. Hey. Prends place, mon cher. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Hey! Alors, quand es-tu revenu? La nuit dernière. Et j'ai jugé très nécessaire de venir vous voir, Majesté. Ah oui, mon garçon, tu as raison. Ah, Patrick! Patrick, sais-tu que tu n'avais que cette taille-là lorsque tu es parti de ce village? Hein? Regarde-toi! Tu es devenu un homme maintenant. Es-tu déjà marié? Non, Majesté. Votre Majesté, vous savez que je ne peux pas le faire. Sans votre bénédiction et votre permission, vous êtes comme un père pour moi maintenant. Oh oui, mon cher. Tu as raison. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ça, Majesté. Tu ressembles à ton père. Ton père? Oh, bon sang. Que les dieux bénissent son âme, où qu'il soit. Patrick, ton père et moi étions très, très, très proches. Hein? Mais ça va. Ah! Alors, bienvenue, mon garçon. Bienvenue. Merci, Majesté. Merci. J'ai appris que le prince est de retour. Oh, le prince. Oui, c'est vrai. Il est là. Mais tu le connais, hein? Pium. Pium. Pururu. Hein? Vroom, vroom, vroom. Il ne reste jamais sur place. Si cela fait de lui un prince productif. Oui, on peut le dire. Ah, Patrick. Laisse-moi te féliciter pour tes efforts et ta contribution à cette communauté. Tu fais de très très bonnes œuvres. Hein? Merci, merci. Continue ainsi. Merci, Votre Majesté. Les dieux te béniront. Merci. Hein? Merci. Bien. Bien. Il est toujours nécessaire de faire partie d'une communauté, vous voyez. Je veux dire ma communauté. Oui. En particulier le palais. Oh. Oui, oui. Que les dieux te bénissent, mon fils. Merci, Votre Altesse. Tu es comme ton père. Un homme bien. Père, je veux vous parler. Père, avez-vous déjà pensé au bien-être du peuple? Je veux dire, ce qu'il endure. Père, ces gens souffrent. Il est difficile pour eux de se trouver à manger. Ils sont incapables de se prendre en charge, incapables de payer leur facture d'hôpital. Ils ne vont pas à l'école. Père, nous pouvons les aider. Ils ont besoin de votre aide dans cette communauté. Qu'aimerais-tu que je fasse? Père, vous... Vous êtes un roi riche. Vous avez des relations jusqu'au gouvernement fédéral. Vous pouvez demander au gouverneur de leur ouvrir une école gratuite et un centre de santé. Vous pouvez organiser des programmes pour rendre les jeunes autonomes. Je sais que vous pouvez le faire, père. Vous pouvez le faire. Alors, c'est ce genre d'Igwe que tu seras dans ce royaume? Alors, Onoti, c'est ce genre de roi que tu vas devenir? Est-ce de cette façon que tu vas diriger? Tu sais, chaque fois que je vois Patrick et que je me souviens de ses œuvres, ce qu'il a accompli pour ce royaume. Comment les gens le respectent. Je ne peux m'empêcher de
de me dire que les dieux auraient dû faire de lui mon fils au lieu de toi. Onochi, tu me déçois complètement. Déception est un bien faible mot. Mets-toi hors de ma présence. Va-t'en. Oh. Onoti, tu es mon fils. Et le roi est ton père. Et ce roi est mon mari. Regarde, je ne suis pas là pour prendre le parti de quelqu'un. Je suis seulement inquiète. Parce que le degré de dispute entre ton père et toi est bien trop élevé. Et si ce n'est pas bien contrôlé, ça nous conduira avec quelque chose qu'on n'aimera pas. C'est exagéré, grand frère. Ce que mère dit est vrai. S'il te plaît, écoute-la. Tu sais comment papa est. Il a toujours le dernier mot. S'il te plaît, tu dois te calmer. Reprends chemin afin qu'il y ait la paix dans ce palais. Mère, je me fiche des conséquences. J'ai trouvé la lumière en Jésus. Je suis mort en lui. Ce monde et ses attraits ne signifient rien pour moi. Onochi. La Bible dit, cherchez premièrement la justice de Dieu. Mère, j'en ai marre. Onochi, cette façon-là, ou cette manière de penser que tu as adoptée, te conduira dans une guerre. Ce n'est pas bien. Grand frère, écoute-nous. Nous voulons ton bien, s'il te plaît. Je suis désolé. Christ a pris le contrôle. Et il n'y a pas de retour en arrière. Onochi. Mère. Onochi, qu'est-ce qu'il y a? Je te pose une question, qu'est-ce qu'il y a? T'es quel genre de prince? Regarde-toi, regarde-toi très bien. Tu parcours la ville à faire du n'importe quoi, des bêtises de tout genre, au lieu de te concentrer et de prendre tes responsabilités en tant que futur roi. Quel type d'être humain es-tu? Quel type de prince es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Onochi, qu'est-ce qui cloche chez toi? Et où crois-tu aller? Reviens ici, ne me laisse pas planter là, Onochi. Reviens ici. Où vas-tu? Oh, tu rentres dans la salle de bain? Si tu veux, entre dans le trou. Je vais te dire la vérité. Je te la dirai. Onochi. Tu es vraiment trop drôle. S'il te plaît, arrête tes blagues. Sérieusement, ouais, c'était un compliment. Dis-moi, je voudrais te poser une question. Pourquoi ne vas-tu pas à l'école? L'école. Où prendrais-je de l'argent pour aller à l'école, hein? Il n'y a pas d'argent, hein? Ok. Dans ce cas, épouse-moi. Je t'emmènerai aux États-Unis pour y étudier. Hé, regarde-toi. Tu ne vas pas arrêter de m'amuser. S'il te plaît, soyons un peu plus sérieux, hein? Sérieux. Je suis sérieux, très sérieux. Hé, hey, tu parles encore? Écoute, hein, il n'y a pas de problème. On a assez plaisanté. C'est bon, hein? Parlons d'autre chose. Tu m'avais dit que tu me parlerais de ta belle-mère, mais tu ne l'as plus fait. Meilleure décision qu'on ait prise. Oui, je suis d'accord. Non seulement nous serons une même famille,
Mais nous serons également des familles puissantes. Je crois que ton fils sera un grand roi. Et ma fille, une magnifique princesse. Oui. Vous savez, un proverbe dit, qui s'assemble, se ressemble. Ouais, ouais, c'est clair. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, roi Obaka. Le plaisir est partagé. Oui, au fait, que pensez-vous de la dernière réunion des rois? Tourne-toi. Tu vas te tourner, oui. Fouette-la bien. Oui, votre majesté. Reste tranquille. Votre majesté. Kaima, qu'a-t-elle fait? Pourquoi ton garde la frappe comme ça? Elle m'a insultée et je vais lui apprendre à différencier les roturiers de la famille royale. C'est de la méchanceté. Tu dois arrêter ça maintenant. Non, majesté. Tu dois lui donner une leçon pour qu'elle ne m'insulte plus moi, la princesse Kaima. Chérie, regarde-toi, mais tu disparais depuis des jours. On te voit pas depuis que ton fiancé est revenu. Ah bon? Mais bien sûr que si. Regarde-toi. Merci. T'es sérieuse? Je suis extrêmement désolée. Vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Patrick. Mm-hmm. Donc, il aime m'avoir près de lui. Je sais. Je n'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais bien sûr que tu as le choix. Il sait que tu as des amis. Bien pardon, sûr qu'il le sait. Parle-lui. Et on était là tout ce temps. Mm-hmm. On a été tes soutiens, ne l'oublie pas. Ah. Ne t'occupe pas d'elle. Pardon, je suis désolée. Mm-hmm. Tu es désolée, c'est tout. Pardon qu'il vient nous payer pour avoir bien pris soin de toi. Au moins, pour l'avoir délivré des mains de cette méchante tigresse qu'on appelle Kaima. Celle-là. Ce serait des méchants. Mm-hmm. Kaima. Oh. Mais... Je ne crois pas que vous le ferez. Pourquoi? Pourquoi? Il est à la mission dans un village voisin. Oh. Ok, oh. Ce mec marche beaucoup. Beaucoup. Père, je suis vraiment désolé. Je n'aime pas ce qui se passe entre nous. J'aimerais que vous me pardonniez. Père. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Du moment où tu fais ce qu'il faut. C'est exactement ce que je fais. Je vois, je vois. Faites-moi confiance. Je promets d'être un très grand roi, avec le Dieu Tout-Puissant à mes côtés. Vous savez, père, je ne dois pas adorer les idoles. Je ne dois pas compter sur les fétiches pour être puissant. Écoutez, père, Amadiora a des yeux mais ne peut pas voir. Il ne peut non plus parler ni entendre. Amadiora est puissant, père. Je promets de diriger mon peuple avec la crainte de Dieu et le royaume prospérera. Comprenez-moi. Ah, tu as fini? J'ai fini. Non, non, vas-y, continue, parle. Ah, es-tu à court de mots? Ton vocabulaire est épuisé? Non, ne t'arrête pas, continue. Continue de dire des bêtises. T'es-tu entendu parler? Oh non, je demande si tu t'es entendu parler. T'es-tu entendu parler? T'es-tu entendu? T'es-tu entendu? Continue de dire des bêtises. Écoute-toi-même les âneries qui sortent de ta bouche. Vois comment elles empestent tout le palais. Elles puent. Tu es complètement perdu. Tu t'es égaré. En entier, tu t'es égaré. Hey! Hey!
Comment puis-je rester assis là, moi ton père, et écouter tout ça? Je t'en prie, Amadioua. Amadioua. Est-ce mon fils? Amadioua. Oh, tu veux dire que tu te sens à l'aise de te tenir là et de critiquer Amadioua, qui est notre Dieu. Amadioua, qui nous a protégés tout ce temps. Amadioua, que tes ancêtres, Onotié, ton arrière-grand-père a adoré Amadioua. Ton grand-père a adoré Amadioua. Moi, ton père, le roi, j'adore Amadioua. Toute la famille adore Amadioua. Hey! Et tu oses te tenir là pour critiquer Amadioua. Je ne veux pas te maudire, mon fils. Mais en tout cas, je ne vais pas rester là à te regarder détruire ta destinée avec cette stupide, inutile religion que tu as ramenée de l'étranger. Laisse-moi seul. Père, je sais. Vous avez vécu votre vie. Je vous supplie seulement de me laisser vivre la mienne. Je vous en prie, et autre chose. Dites à Kaïma de faire ses valises et de rentrer chez son père. Parce que père, je ne peux l'épouser. Tu sais, si j'avais une maquette, j'aurais séparé ta bouche, ta tête, ta langue, ta stupide langue orgueilleuse de... C'est mieux que je ne termine pas. Ce que tu viens de dire là n'est pas contre moi. Les dieux ont déjà géré cela. Mets-toi hors de ma vue. Tu blagues. Je ne te crois pas, c'est une blague. Il faut que je ne blague pas. Je suis sérieux. Je suis hyper sérieux. Je sais, au fond de moi, que tu feras une bonne épouse pour moi. Ne me dis pas non. Didier. Je comprends. Ifunania, je voudrais que tu m'épouses. Épouse-moi et je t'offrirai une vie de rêve. Et que feras-tu de ma famille? Je m'en charge. Fais-moi confiance. Crois-moi. Ça va, ça suffit. Tu dois cesser de pleurer. Toutes les paroles de Nochi et ses larmes ne vont rien changer à cette histoire. Tu es fiancée à lui et il n'a pas le choix. Il ne peut pas aller à l'encontre des dieux. Mais il est sérieux. Depuis que je suis arrivée dans ce palais, il ne m'a jamais montré de l'amour. On dirait que je le force à se marier. Quelle honte, que diront les gens? Que diront les membres de ma famille? Que diront... Oh, mon Dieu! Kaïma, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que tu pleures. Si Onotia a dit qu'il ne veut plus de toi, pourquoi ne pas simplement retourner chez ton père? Après tout, tu es une princesse. Et Onochi n'est pas le seul homme sur Terre. Tu parles comme si tu étais ignorante des traditions de ce royaume. Elle est sa fiancée. Et alors? Pour moi, ça ne signifie rien. Viens-tu de me dire « et alors » ? Non, sérieux. Qui t'a invité dans cette conversation ? Dis-moi qui ? Mon ami, dégage d'ici ! Dégage ! Idiote ! Regardez-la, espèce d'imbécile ! Ne t'en fais pas ! Aucun problème. Je vais m'occuper de ton cas. Non, ne t'en fais pas. S'il te plaît, que diront les gens? Que dira ma famille? Quelle honte est-ce là? Simplement calme-toi, ça va aller. Ça ira, ok? T'inquiète.
When the righteous is reigning in the land, the people rejoice. Never mind that, I am a prince. I love the work of... Ikebueke, mon prince. Tu sais que je te fais confiance. Oui, mon prince. Écoute, tu dois être futé et discret pour cette mission. D'accord. Voici 500 000. Prends-les. Maintenant, écoute. Partage cet argent à toutes les veuves dont je t'ai parlé. Ces veuves, donne-le-leur. Okay. Mais souviens-toi, s'il te plaît. Mon père ne doit pas être au courant de cela. S'il te plaît. D'accord, mon prince. Rapidement. Onye chinere zegachi o. I am the royal pastor. Écoute ma chère. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'aimerais t'assurer que je me charge moi-même de cette affaire. Quand tu arrives chez toi, dis à ton père qu'il n'a pas à s'inquiéter. Je vais régler cette situation. Et je t'enverrai chercher. D'accord, Majesté. Mon fils, il fait juste, tu sais, il fait juste preuve d'exubérance juvénile. Mm-hmm. Je m'en charge. Mm-hmm. Dans très peu de temps. Hmm? Alors, prends courage. Allez. Mm-hmm. Merci, Majesté. Maintenant, fais-moi un sourire. C'est exactement ce que je pense. Pas besoin de paniquer. Oui, ça ira. D'accord. Je vais partir. Merci, Majesté. Oui. C'est pas vrai! Hein? Tu blagues, n'est-ce pas? Non! Je ne peux pas plaisanter avec une chose pareille. Hein? Je suis sérieuse. Écoute, tu dois me promettre que tu vas garder cela secret. Et je t'en parlerai au moment opportun. Hein? Mais. As-tu pensé à comment nos parents vont le prendre? Hein? Oui. Je sais que ce ne sera pas facile pour eux. Mais je dois faire ce pas décisif. C'est une opportunité pour moi d'avoir une bonne éducation et d'améliorer nos vies. S'il te plaît. Hein? Je t'en prie, mon frère. Votre Majesté. Mais qu'est-ce que j'entends là au sujet du prince? Que s'est-il vraiment passé? Ah, Patrick, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je n'en sais rien. Mon fils est complètement devenu fou. Patrick, si tu entends la quantité de bêtises qui sort de sa bouche, oh mon Dieu, ça ne tourne pas rond là. C'est vraiment très triste. Je t'assure. C'est vraiment très triste, ça. Mais, Votre Majesté, de grâce, écoutez, s'il vous plaît, permettez que je lui parle en privé. Qui suis-je pour te barrer la voie? Vas-y. Très bien. Vas-y. Je vais essayer. Satisfais ta curiosité. Je ne peux rien essayer, je le ferai. Mon prince, sauf tout le respect, tu es l'héritier qui accédera au trône. L'avenir de ce grand royaume. Tu dois avoir une bonne conduite. Écoute, un prince qui ne peut pas écouter son père ne fera pas un bon roi. Je t'en supplie, mon Altesse. Examine tes pas une fois de plus. Patrick, je suis surpris que toi aussi... Tu ne me comprennes pas. Écoute, je ne manque pas de respect à mon père. C'est juste que mon père et moi avons des croyances différentes. J'ai choisi Jésus, le Dieu vivant, et je ne retournerai plus dans le monde.
C'est ce que mon père refuse de comprendre. Oh non. Au contraire, c'est toi qui refuses de comprendre ton père. Comment? Mais bon sang, tu es un futur roi. Il est hors de question que tu abandonnes nos coutumes et nos traditions. Des coutumes établies bien avant ta naissance. Pour que tu commences à pratiquer notre doctrine. C'est du jamais vu, mon Altesse. Au grand jamais. Ta loyauté va à Majora et au dieu de ce royaume. Non, Patrick. Ma loyauté va à Jéhovah, le roi des rois. Et je le suivrai, lui seul. Écoute, je ne veux plus en parler. Restons-en là. Ah bon? Très bien. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je sais ce que je fais. Puisse Dieu te bénir en aide. Dieu te bénisse. Regardez-le. Adorateur d'idoles à son jeune âge. Je regrette cette voix. Vous avez demandé à me voir, père. Oui. Assieds-toi. Onochi. Demain est le jour réservé pour nous afin de rendre hommage à notre dieu, Amadua, pour sa protection et sa présence parmi nous tout au long de l'année. En tant que prince héritier, tu conduiras la délégation demain. Quoi? Conduire la délégation au lieu sacré pour se prosterner devant votre dieu? Oui. Notre dieu, Amadiwa. Je ne fais pas ce genre de choses, père. Pour l'amour de Dieu, vous savez que je ne crois pas en ces choses. Jamais je ne mettrai mes pieds dans un quelconque lieu sacré ou adorer une quelconque idole. De faux dieu, je ne peux faire une telle chose. Et vous le savez. Onochi, je ne t'ai pas appelé ici pour débattre, pour échanger des mots avec toi. Onochi, ce que je dis maintenant, c'est ce que tu vas faire. Et j'espère que tu ne penses pas me désobéir à nouveau. Car si tu le fais, Onochi, si tu le fais, je fermerai les yeux et je te désavouerai. Oui. Ensuite, j'ôterai tous les privilèges qui te sont dus en tant que prince héritier de ce royaume. Alors, ne me pousse pas à bout. Onochi, je me retiens beaucoup, ne me pousse surtout pas à bout. Sérieux chéri, si tu veux mon avis, je ne condamne pas le prince ici. Il y a la liberté d'expression. Et quoi? Quoi? Que le prince devrait abandonner ses responsabilités pour des activités ecclésiastiques, c'est ça? Hein? Écoute, chérie. Le prince est le futur roi de ce royaume. Et pour cela, nos coutumes et nos traditions doivent être de la plus haute importance pour lui. Sa loyauté va aux dieux et aux ancêtres de ce royaume. Tu devrais le savoir. Je sais. Chérie, je sais. Mais sérieux, je comprends. C'est juste que... Écoute. Ne le répète jamais en dehors de cette maison. Le prince doit suivre entièrement les pas de son père. Aussi simple
que cela, chérie. Igwe se fwa konwe no fe. Votre Majesté. Oui. Tout le monde est prêt pour la délégation. Bien. J'espère que mon fils est présent. Votre Majesté. Le prince est allé à l'église très tôt ce matin. Qu'est-ce que tu as dit? Il est allé à l'église. Il est allé où? Il est allé à l'église? Il est allé à l'église. Alors il a déjoué mes plans. Alors Onoti a déjoué mes plans. Il m'a désobéi. Il m'a désobéi. Son propre père. D'accord? D'accord. Je vais lui dire. Je vais lui dire qui est-ce qui est le père. Comment avez-vous pu le faire, père? Comment pouvez-vous être aussi méchant? Qu'est-ce que le passé Emeka vous a fait? Pourquoi vous envoyez vos hommes chez lui? S'il l'avait tué, qu'aurez-vous gagné, père? Onoti, ferme ta bouche. Réalises-tu que tu es en train de parler à ton père, le grand roi de ce royaume? Mère, laissez-moi tranquille. Quoi? Onoti, tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui cloche sur toi? Toi, encore un mot, et je te refais le portrait. Pourquoi ne te maries-tu pas et quitter ce... palais, grand et frère, laissez les gens en paix. Ça suffit, calme-toi. La ferme, l'outil. Tu parles à mon vrai combat. Oh, père. Majesté. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Qu'est-ce qui cloche chez ce garçon? Majesté. D'où sort ce garçon? Qui l'a enfanté? Majesté. Quel genre d'être humain est-il? Douga. Sid. Shuka. Venez ici. Maintenant, écoutez. Dorénavant, ne m'appelle plus. Plus jamais père. Majesté. Je n'ai plus de fils. Je te désavoue. Majesté. J'ai prévenu plusieurs fois. J'étais prévenu. Maintenant, amenez-le. Majesté. Laissez-le. Emmenez-le. Pas de nourriture. Pas d'eau. Jusqu'à ce que je le dise. Majesté. Majesté. Majesté.
Majesté. Aïe, 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 aïe. Passe, passe. Va là-bas. Va t'asseoir. Va là-bas. Va t'asseoir. Va. Vas-y, vas-y. Va t'asseoir. Assieds-toi. Assis. 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 Maintenant, toi. Toi. Assieds-toi. Assis. Assis. J'ai dit assis. 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 Quoi? Éteignez-moi ça. Éteignez-moi ça. Nawao. Mais sérieux. Anita, cette histoire est-elle vraie? C'est vraiment incroyable. Comment le roi peut-il désavouer son propre fils? L'héritier présomptif du trône? Ah, Juliette, tu sais à quel point Patrick est proche de cette famille et à quel point il est dévoué. Les gens ne cesseront jamais de me surprendre. D'ailleurs, ça ne me surprend même pas. Vous connaissez les croyances de nos corrois. Voilà vos corrois au bâtin. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Sérieusement. Oui, c'est vraiment terrible. Je me demande, si le régnait maintenant, cela signifie que la royauté quittera la famille et nous connaissons les conséquences. En tout cas, c'est vraiment très grave. Croisons juste nos doigts et regardons-les. Ma princesse, que me vaut l'honneur de cette visite impromptue? Ezemo, tu sais que j'ai le cœur d'un lion. Nue était la nature, j'aurais été un homme. Ezemo, je te promets de faire de toi l'homme le plus riche et le plus influent des 7 royaumes rassemblés. Je suis un ancien, ma princesse. Qu'est-ce que tu veux? Ezemo, mon père a désavoué mon frère Onochi, ce qui signifie clairement qu'il a perdu son héritage. Automatiquement, il ne peut plus être roi. Je veux que tu fasses de moi la prochaine reine de ce royaume, après mon père. Quoi? Ma princesse, ce que vous vouliez est impossible. Une femme n'a jamais dirigé ce royaume. C'est-tu jamais vu? Oui. Rien n'est impossible. Les dieux ont créé ces lois. Ils peuvent également les changer. Nous pouvons les persuader, ou mieux encore, les obliger à le faire. Non. Non. Votre Majesté. Votre Majesté, vous m'avez mandaté. J'espère que tout va bien. Assieds-toi. Patrick. Votre Majesté.
mon fils. Votre Majesté. Ton père et moi étions très proches. Quand ton père était en vie, il s'identifiait à ce palais. Lorsque ton père était en vie, tu es né et as grandi dans ce palais. Et je remercie les dieux qu'aujourd'hui, Patrick, le fils de mon ami, présente le même zèle que son père avait. Depuis ton retour, et même avant ton retour, tu avais déjà commencé à t'identifier à ce palais. Et depuis ton retour, tu es devenu presque un membre de cette famille. Fils. Votre Majesté. J'ai pour intention de faire de toi l'héritier présomptif du trône. Ce trône. Votre Majesté. Mais vous avez un fils. Je n'ai aucun fils. Tu m'entends? Aucun fils. Je l'ai désavoué. Il ne sera jamais roi. Il ne sera... Amashi, le roi est un homme très méchant. Comment peut-il enfermer le prince depuis des jours maintenant? Quel genre de père aura encore de pied contre son fils? Ogona, j'ai vraiment pitié du prince. Je me demande comment il va se sentir là-bas. Mais j'ai confiance au prince. Sa foi est aussi forte que tout. Rien ne lui arrivera. C'est grave. Est-ce que ça veut dire que notre reine Mena n'a pas son mot à dire? Si tu me demandes à qui vais-je demander, je t'en prie. Ah, je juste lui pose une simple question. Ah. Majesté. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh, pourquoi ne me laisses-tu pas dormir? Majesté, comment pouvez-vous dormir confortablement? Comment une mère peut-elle dormir alors que son fils est en train de mourir en prison? Votre seul fils est en train de mourir. Je n'ai pas de fils. Je n'ai pas de fils. Un fils qui... Un fils qui désobéit à son père n'est pas digne d'être appelé fils. Majesté.
Relâchez-le à cause de moi, même s'il n'est plus votre fils. Relâchez-le, il est toujours mon fils. Je ne ferai rien de la sorte. Ce garçon doit apprendre deux choses importantes. L'une est la suivante. Il y a un roi dans ce royaume qui est au contrôle. Et ce roi s'avère être son père. Oui. Écoute, si tu continues à m'embêter de la sorte avec tes bêtises, je serai obligé de te virer de cette chambre afin de pouvoir dormir. Que n'avez-vous pas encore fait ? Majesté, que n'avez-vous pas encore fait ? Vous pouvez me jeter hors de cette chambre ou m'enfermer avec mon fils dans votre prison. Ce serait mieux pour moi. Ce serait mieux pour moi. Enfermez-moi avec mon fils. Igwe, c'est quoi qu'on veut nous faire? Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vu Tigé. Ça fait des jours maintenant. Hein? Ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble vraiment pas du tout. Ce n'est pas lui. Hey. Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Hein? Je ne sais même pas où le chercher. Et je ne sais non plus où il habite. Hey. Ma sœur Ifuna. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est rien. Rien? Oui. Non, tu ne peux pas dire rien. Tu ne peux pas le cacher. Ça se voit partout sur toi. Tu peux me le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, non? C'est Tigé, oh. C'est Tigé? Je cherche Tigé. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas vu Tigé, ça fait des jours maintenant. Ça, ce n'est pas lui. Vraiment pas du tout. Ça, ce n'est pas lui. Je ne sais même pas s'il va bien. Ceci est vraiment étrange. Mais tu dois aller le chercher, non? Le chercher où? Où alors? C'est ça le problème. Je ne sais pas où le chercher. Je ne sais pas où il habite. Je ne sais pas. Il a promis de m'y emmener. Ceci devient encore plus compliqué. Hein? Ok, mais tu dois d'abord te calmer. Hein? Calme-toi. Gardons espoir. Peut-être qu'il a eu un empêchement. On ne sait jamais. Hein? Sois juste tranquille, ok? Il aurait pu me dire. Il aurait pu me dire, hein? Mais il ne l'a pas fait. Je il sais, ne m'a je rien sais, dit. Je sais, mais calme-toi. Hein? Sois tranquille. Il va revenir. Hein? Il faut. Ma sœur. Je ne comprends pas ce qui se passe dans le palais tout ce temps. Comment notre roi peut-il enfermer son fils unique et le laisser mourir? Il va bien? Pourquoi parles-tu comme si tu ne connaissais pas le roi Obaka? Ou as-tu oublié qu'il ne soutient pas le prince et ses élites? Encore moins les activités de l'église. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Si le prince a choisi l'église, c'est sa vie. Notre roi devrait le laisser tranquille. Il est très jeune pour mourir. Ah, à ce qui me concerne, je vais bien m'installer et voir comment tout ça va finir. Ah, ça c'est grave. Est-ce que c'est vraiment ça? Patrick va être le prochain roi de ce royaume. Cela veut dire que je serai la reine. Ceci pourrait être mon destin. Je ne laisserai pas ça m'échapper. Je dois faire tout ce que je peux pour rester près de Patrick. Ensemble, nous allons atteindre ce but. Et qu'en est-il d'Adéisé? Je sais qu'elle ne peut laisser que le royaume leur soit arraché. Que dois-je faire? Que dois-je faire?
Quoi? Notable. Voici 100 000 naira pour chacun de vous. Je sais que je peux m'appuyer et compter sur vous pour votre soutien. Votre Altesse, ce n'est pas comme si nous n'apprécions pas votre geste, mais le problème est tel que la possibilité que vous deveniez reine après le roi est infime. Voilà le problème, voilà le problème, voilà le problème. Altesse, vous et tous les deux, nous connaissons la culture et la tradition de notre peuple. Mm-hmm. Ce que vous demandez actuellement est beaucoup trop. C'est trop. Mais je sais que tout est possible. Je t'écoute, cher notaire. Nous pouvons aussi vous aider dans cette circonstance pour vous soutenir. Hein? C'est cela. Vous le savez et je le sais que tout est possible. Tout ce que je vous demande, c'est votre soutien. Laissez-moi gérer le reste. Vous savez, ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire encore mieux. Et vous savez, il y a encore beaucoup plus d'argent d'où ceci provient. Donc, je vais faire l'effort de souvent vous rencontrer de temps en temps. Ok, d'accord, oui. D'accord. Merci. D'accord. Mm-hmm. Donc, tout est bien et qui finit bien. Sans aucun doute. Merci beaucoup. Ok. Oui. Et n'oubliez pas votre promesse par rapport à plus d'argent qui pourrait venir. Oui, sans aucun doute. Je suis une femme de parole. You want to be king after your father. After your father. Ça c'est pour vous. Et ça c'est pour vous. C'est pour vous montrer à quel point je suis sérieux. Le 200 000 naira. Non, mais c'est trop. Patrick, pourquoi méritons-nous cette générosité de ta part? Pour votre soutien. J'ai besoin de votre soutien pour devenir le prochain roi. Après notre roi. Bien que Kayan ait déjà son soutien. Mais Patrick, le roi se porte encore très bien. Et Onotier, l'héritier du trône, se porte aussi très bien. Onotier n'en est plus du tout capable. Dont le roi l'a désavoué. Ce qui veut dire qu'il ne pourra plus jamais devenir roi. Maintenant que le cap est sur moi. Patrick, es-tu certain que nous pouvons le faire? Hein? Bien sûr, cher notable. Écoutez,
Ceci est une opportunité pour vous et votre famille de dire au revoir à la pauvreté. Croyez-moi, je vous rendrai la vie meilleure, les gars. Je pense qu'avec lui, les choses vont aller très bien. Qu'est-ce que vous pensez bien, non? Patrick, je sens de tout cœur avec toi. Hey, Onuti. Onuti, mon fils, regarde-toi. Ay, désolé, hein? Dieu merci, tu es libre. Dieu merci. Qu'est-ce que tu fais encore assis là? Lève-toi, va prendre un bain. J'ai ordonné aux servantes d'eux. J'espère que tu aimeras te laver à l'eau chaude. Hein? Je leur ai donné l'ordre de te chauffer de l'eau. Lève-toi, lève-toi, allons-y. Lève-toi, va te laver, d'accord? Hein? Calme-toi. Ça va, ça va. Ah! Va te laver. Mon fils, c'est si soudain. Mais puisque tu dis que c'est important, que mon Dieu t'accompagne. Amen. Hmm? Tu voyages bien. Je sais que Dieu va me protéger. Et je voyagerai bien. Grand frère, tu vas nous manquer. Tu me manqueras aussi, ma soeur. Certainement. C'est vrai, il va beaucoup nous manquer. Oui. D'accord, à plus tard. Onuti. Tu es libre de partir où tu veux. Quand tu le voudras. Et comme tu le voudras. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu ne seras plus l'héritier du trône. Lorsque tu décideras de revenir. Tu viens de prendre la pire des décisions et de commettre la plus grande erreur de ta vie. Je te souhaite bonne chance. Je prie qu'un jour, vous vous rendiez compte de ce que vous faites. Espérons qu'il ne sera pas trop tard. Au revoir. Au revoir à toi aussi. Idiot. Anita, tu fais partie de cette famille. Peu importe ce que le roi, mon père, fait avec ton fiancé Patrick, ça ne marchera pas. Parce qu'il a un fils. Et il reste l'héritier de son trône. Mais le roi dit qu'il a déshérité. Il l'a dit sous l'effet de la colère. Ce que je sais, c'est qu'il reviendra sur sa parole. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je veux que tu dissuades Patrick. Demande-lui de rester loin de ce palais. En ce qui concerne le trône. Tu sais, je ne peux pas aller contre sa décision. Il s'agit de Patrick. Anita, pense-y. Un homme peut prendre une décision. Le même homme peut aussi changer cette décision. Demande-lui de rester loin de ce palais. Avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça va aller, ça va aller. Calme-toi, femme. Calme-toi. Les pleurs ne la ramèneront pas. Pleurer ne va pas résoudre le problème. D'accord? Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, ne me dis pas de me calmer. Il finalement n'est pas rentré de la nuit dernière et jusqu'à présent il n'est pas encore là. Ne me demande pas de me calmer. Ne me demande pas de me calmer. Allons la chercher maintenant. Hein? Allons la chercher partout, partout, en route, dans les rues, partout. Nous l'avons déjà cherché avec toutes ses amies. Mais tu t'affirmes ne pas l'avoir vue. Retournons chez ses amis. Je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que ma fille rate. Ne me demande pas de me calmer. Je ne peux pas me calmer. Il finalement n'est pas là et tu me demandes de me calmer. Uchenna. Non.
Papa. Mais tu es sûr qu'elle t'a pas dit où elle se rendait? Non, papa, elle ne m'a rien dit. Hey! Ifuna! Ifunanya! Ifunanya! Oui! Ifunanya! Ifunanya! Hey! C'est comme ça que je vais courir. Hey, maman, que se passe-t-il? Papa, maman. Hein? S'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Mais qu'as-tu fait? Je sais où elle est. Je vous ai menti concernant l'endroit où Ifunanya se trouve. Oh, maintenant tu sais où elle se trouve, n'est-ce pas? Oui, papa. Où est-elle? Elle... Parle! Elle est allée à l'étranger. Allez où? Elle est où? À l'étranger, papa. À l'étranger? Oui, papa. Avec qui? Comment? Pourquoi? Elle est allée avec oncle CJ, papa. Hey! Uchenna m'a tué! Mon fils. Uchenna! Alors tu as conspiré avec CJ pour vendre ta propre sœur? Non, papa. Papa, oncle CJ même m'a donné un chèque d'1 million de naira. Mais elle va bien, Ifunanya? Elle va bien, maman. Ils m'ont donné le chèque et ils m'ont demandé de ne dire à personne jusqu'à ce qu'ils soient partis. Donne-le nous. J'espère qu'elle va bien, Ifunanya. Non. Mon mari. Donne-moi 1 million. Alors, Uchenna, tu as conspiré avec DJ pour vendre ta propre sœur à 1 million papa, de naira. Papa, je ne l'ai pas vendu, non. Mon mari attend. Il a dit qu'Ifunanya va bien. Mmh. 1 million de naira, c'est de ça qu'on parle maintenant. Ça fait beaucoup d'argent, non? Enfin, tu me parles d'1 million. Mais pourquoi tu mets ça dans ta poche? Longue vie à vous, votre majesté. Père, vous m'avez fait appeler. Oui. Tu peux t'asseoir. Princesse, en tant que roi de cette grande communauté, il n'y a rien qui se passe dans ce royaume dont je ne suis pas au courant. Lorsqu'un enfant commence à danser le surugede, cet enfant devrait savoir que le surugede est la danse des esprits. Princesse, rebrousse chemin aujourd'hui, pas demain. Je suis désolée, père, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tous tes plans, tous tes projets pour devenir reine. Après moi, je les connais. C'est la raison pour laquelle je te demande de rebrousser chemin. Ne déclenche pas la colère des dieux. Sinon, ta génération sera maudite. Ma fille, rebrousse chemin aujourd'hui. Père, je suis prête. Je suis capable. Ce que je veux dire, c'est que je suis prête à aller où vous voulez que j'y aille juste pour vous le prouver. De toutes les façons, maintenant que vous êtes au courant de mes intentions de devenir reine, vous pouvez tout simplement me donner votre soutien, votre bénédiction. Ferme! Ferme! Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! C'était quoi? Ces choses qui sont sorties de ta bouche? Des mots ou de la merde? Ne laisse pas la merde sortir de ta bouche, princesse! Ne parle pas des choses abominables!
Allez, dégage. Dégage de ma vue. Dégage. Va-t'en. Quelle insolence. Quel culot. Quelle abomination. Mais qu'est-ce qu'elle raconte au juste? Ce n'est pas possible. Aïe, aïe, à des ébanis, il gagne fort. Aïe, à des ébanis. Obuebike, je sais que tu es l'un des favoris et le messager de confiance dans ce palais. Et tu connais tous les secrets de ce palais, ai-je raison? Oui, ma princesse. Bien. Je sais que mon père désire sacrer quelqu'un d'autre comme roi après lui. Découvre qui est la personne et recontacte-moi dans les plus brefs délais. D'accord, ma princesse. Commence à partir de maintenant. Te regard du trône parce que j'y porte un intérêt. Je serai reine dans ce royaume et il n'y a rien, absolument rien qu'on puisse faire, ni toi, ni mon père, ni personne d'autre. Tu comprends ça? Je n'arrive pas à croire que ce soit la plus grosse blague du siècle. Vous entendez parler là? Avez-vous déjà entendu dire que dans ce royaume, une femme peut régner? C'est un tabou, votre Altesse. Allez, s'il vous plaît, sortez de votre sommeil. Réveillez-vous. Je peux voir que tu es un esprit courageux. Bien sûr. Je suis un homme fort. Écoutez, j'ai tout ce qu'il faut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre père m'a choisi. Une femme ne pourra jamais régner dans ce royaume. Jamais. Les dieux ne le permettront pas. Ne dis pas que je n'étais pas prévu. Ne le dis pas. C'est une menace? Non. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse, mon cher. D'accord, votre Altesse. Elle t'aurait menacé, malgré tous mes avertissements? Oui, votre majesté. Ce n'est pas comme si je la craignais. Simplement que l'on devait travailler avec prudence. Vous savez comment les gens peuvent se comporter lorsqu'ils sont sous un charme? Eh bien, je crois qu'elle est sous un charme. Non. Elle n'est sous l'effet d'aucun charme. Non. De toute façon, je sais quoi faire. Mais je vais te demander de ne pas t'inquiéter pour ça. Je vais gérer cette situation, d'accord? Très bien, votre majesté. Aïe lélé, 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 aïe lélé. Aïe lélé, 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 aïe lélé,
Aïe, lélé, aïe, lélé. Igwe, c'est pas qu'on ouè nos fées. Aïe, lélé. Onyane, menkiri, adiron, mi bon toué. Aïe, lélé. Majesté. Majesté, ce que vous faites n'est pas juste. Ceci conduira ce royaume dans une guerre et une division éternelle. Que veux-tu dire? Comment pouvez-vous choisir Patrick? Lui qui n'est personne pour vous succéder alors que vous avez un fils, le seul héritier du trône. Comment pouvez-vous faire ça? Je n'ai pas de fils. Majesté? Un fils qui préfère ne pas obéir à son père n'est pas un fils. Donc, je n'ai pas de fils. Majesté, peu importe ce que vous dites, Onotie, mon fils, est l'héritier légitime du trône et il prendra ce qui lui revient. Je ne vais pas croiser les bras et regarder n'importe qui entrer dans ce palais et prendre ce qui ne lui appartient pas. Je ne permettrai jamais cela. Aforma. Aforma. Majesté. Ferme-la. Qu'est-ce que j'ai dit? Ferme-la! Es-tu dépossédé? Es-tu devenue folle? Es-tu... Je veux dire, est-ce que tes deux jambes sont en l'air? Et ta tête en bas? Comment oses-tu me parler de cette façon? Qu'est-ce qui te prend? Je vais faire comme si ceci ne s'est jamais produit. Que ce soit la dernière fois, la toute dernière fois que tu me parles de cette façon. Me suis-je bien fait comprendre? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, Majesté. Aïe, lélé, aïe, lélé. Aïe, lélé, aïe, lélé, aïe, lélé, aïe, lélé, aïe, lélé. Bébé, je suis de tout cœur avec toi. Nous ne devons pas succomber à ces menaces. Bébé, le roi a parlé et il en sera ainsi. Ah oui, oui, ah oui. Ah oui. Tu vois, j'adore ça. Bébé, tu vois, je suis très heureux de la tournure que prend cette situation. Écoute. Je te promets une chose. Aussitôt que je deviendrai roi, je ferai de toi la plus grande reine de tous les temps. Merci. Je n'en doute pas. Mais bébé, nous devons doubler d'efforts. Même si ça doit nous coûter notre dernier souffle, tu dois être roi. Bien sûr que je serai roi. Tu dois t'asseoir sur ce trône. Bien sûr que je m'asseoirai sur ce trône. Je deviendrai roi. Igwe. Ochieni, mon frère. Oui, je suis là. Cet endroit n'est pas mal du tout. Nous rendons grâce à Dieu. Ta boutique s'agrandit juste tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Shuka, mon pote. Hein? Tu parles toujours de cette boutique. Celle-ci n'est qu'une filiale née de l'autre. Si tu voyais l'autre boutique, elle est de très loin meilleure que celle-ci. C'est juste les bienfaits du Seigneur, nous lui disons merci. Je remercie Dieu pour toi. Oui. Mais attends, est-ce que tu sais que tu as pris un grand risque? Et si le pire est arrivé, qu'aurais-tu fait? Shuka-san, laisse-moi juste te dire que j'ai toujours su que rien n'arriverait. Tu as toujours su? En plus, oncle Sidier est très sincère. En outre, j'ai toujours fait confiance au jugement de ma sœur. Tu sais qu'elle ne prend pas les choses à la légère. Et même quand elle le fait, c'est que sans doute cette chose est positive. Regarde. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour ça. Ça a changé votre famille. Et son arrivée là-bas est aussi une bénédiction pour lui.
Tu parles encore de bénédiction. Oui. Nous sommes déjà bénis, mon frère. Nous sommes déjà bénis. Je remercie Dieu pour vous, mon frère. Grand merci. Je le remercie pour vous. Hey. Maintenant qu'il semble que tous les moyens soient utilisés, qu'allons-nous faire? Honnêtement, je suis confuse. Je suis davantage confuse au fil des jours. Surtout maintenant que ton père a refusé de m'écouter. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas pourquoi père fait tout ça. Je ne comprends pas. Je me demande ce qu'il gagne en trahissant son propre fils, son seul fils en plus. C'est juste de la fierté de l'ego. Honnêtement, je m'en fiche. C'est ce qu'il pense qu'il fait. Je ne me soucie pas de ce qu'il ressent. La chose que je ne vais pas admettre ou permettre dans ce palais, c'est de voir un misérable entrer dans ce palais pour prendre ce qui appartient à mon fils. Mon fils est l'héritier. Non, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas possible. Et qu'en est-il d'Adé ici? Nous parlons des vivants, toi tu parles des morts. Qui est Adèze? Cette stupide fille qui se pavane partout pour attirer de l'attention. Je ne sais même pas d'où elle a hérité ce comportement stupide. Celle-là n'est même pas un sujet de discussion. Oublie-la. Ignore-la. Je parle de mon fils. Oh, toi aussi, écoute-moi. Arrête de la regarder. Arrête ça. Oh. Écoute-moi, mais s'il veut s'entretuer, où est notre problème là-dedans, hein? Où est notre problème là-dedans, hein? Et ce roi est même d'abord très gourmand et méchant. Oui, très méchant. Mais je t'assure, voici donc venu pour nous l'occasion rêvée et d'assurer notre futur, hein? Tu vois? Hein? Mazio, tu es? Mazio Lisa, Mazio Lisa. Les problèmes qui s'accumulent au palais maintenant. J'ai peur que ça conduise des catastrophes dans ce palais. Arrête-moi tous ces enfantillages que tu es en train de faire là. Hein? Tu n'es pas un homme? Hein? Hé, hey, profite-en. Hé, hey, mon ami, il faut en profiter. Au détriment de quand une communauté n'est pas en accord avec le roi, les notables en profitent. Mon frère, arrête-moi ce que tu es en train de faire là. Hein? Mon ami, je te rappelle que tu as une famille à nourrir toi aussi, hein? Tu es un chef de famille. Mazio Lisa, je vais prendre cet argent, évidemment. Mais je suis juste inquiet. Hein? Je suis inquiet. Laisse se battre. Ça nous fera plus d'argent. Hein? Hein? Ah, pardon, allons-y. Oh, Lisa. Oh. Aïe. 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 Aïe, aïe, Adèze Bagni, Ige me foqua. Aïe, Adèze Bagni, Ige me foqua. Je ne peux pas permettre que ça arrive. Je suis allée trop loin et beaucoup trop longtemps pour revenir en arrière. Je dois faire tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Je dois être reine et personne ne m'arrêtera. Patrick, prépare-toi à m'affronter. Je te l'avais dit. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas nager dans cette rivière, qu'elle était très profonde. Mais tu ne voulais pas écouter. La prochaine fois, ne plaisante pas avec des gens comme moi. Salut le diable de ma part. J'ai reçu le voyant très tôt demain matin. Thank you.
Que je vais toujours te le donner. Juste comme tu l'aimes. Mmh. Allez, allons-y. D'accord, on y va par là. Comme ça, je pourrais renforcer tes ouvragiles. Ma princesse. Ma princesse. Majesté, vous devez manger quelque chose. Vous ne pouvez pas continuer à rester ainsi. Je sais que toutes choses iront pour le mieux. Vous devez être en santé pour gérer les affaires de ce royaume. S'il vous plaît, je vous en prie. Venez manger quelque chose, le repas est prêt. Votre Majesté. Oui. L'envie, votre Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, le pire est arrivé. Majesté. Le pire est arrivé, votre Majesté. Votre Altesse. Qu'est-ce que votre Altesse? Patrick est devenu fou. Non. Oui. Patrick est devenu fou. Patrick est devenu fou. Oui. C'est vrai. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Il courait dans la rue. Par-ci, par-là. Nous l'avons vu, votre Majesté. Patrick. Patrick. Le fameux Patrick. C'était bien lui. Hey. Le pire est arrivé dans ce village. Oh. C'est exactement mon point de vue, père. Patrick ne peut pas vous succéder. Il n'a pas de potentiel. Il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez mature. Mais moi, j'ai fait mes preuves, père. Tout ce que je vous demande, c'est de faire de moi la reine de ce royaume. C'est tout.
Tu sais, si tu n'étais pas ma fille, tu n'étais pas mon sang, j'aurais demandé au Dieu de te foudroyer. Maintenant, écoute. Retourne et répare tout ce que tu as fait à Patrick. Arrête de te pavaner partout comme une ombre. Crois-moi, tu ne seras pas reine dans son royaume. Pas aujourd'hui, pas demain, pas dans le futur, même pas dans un très 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 lointain futur. Alors arrête. Pas du tout. C'est trop tard. Beaucoup trop tard parce que je suis déjà impliquée. C'est trop tard. Tout ce que je vous demande, c'est de me bénir pour devenir la reine de ce royaume. Tu vas la fermer. Ferme ta bouche. Ou je la fermerai pour toi. M'as-tu entendu? Va te marier à un roi dans un autre clan. Et deviens reine dans un autre clan. Tu ne seras pas reine ici. M'entends-tu? Tu ne le seras pas. Roi, reine, imposteur, impudence, n'importe quoi. Tu veux devenir reine? Quand il s'agit de ce royaume, personne ne s'oppose à moi. Je vous ai averti. Je ne pourrai jamais avoir peur de vous. Vous avez peut-être vu ça avec Patrick. Mais vous ne vous en sortirez pas. Parce que je viendrai pour vous. Anita, tu as toujours le choix. Tu as le choix d'être de mon côté. Sois de mon côté et tu ne le regretteras pas. Je préfère mourir que de le faire. De la combattre. Tu sais qu'Adézi est maléfique? Tu le sais? Exactement, Anita. Tu dois arrêter. Je pense que ce que nous devons faire maintenant, c'est de résoudre le problème de Patrick. Et si on a trouvé une solution par rapport à ça, je t'en prie. J'en ai parlé à mon père à propos. Et il a promis de nous emmener chez un homme puissant. Vraiment. Voilà. J'espère que nous allons trouver une solution là-bas. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Je vais me rassurer qu'elle descende. Même si c'est la dernière chose que je ferai. À Daisy. À
Adizé est maléfique. Elle est méchante. Hey, dis-moi, c'est bien toi, n'est-ce pas? 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 Je te le demande. N'est-ce pas, c'est bien toi? Jésus. N'est-ce pas, c'est toi? You want to be king after you. C'est bien toi. Mère, où as-tu entendu cela? Mère, j'ai entendu Père lui dire clairement d'aller réparer immédiatement ce qu'elle a fait à Patrick. Et elle ne l'a pas nié. Mon Dieu. Seigneur. D'où est-ce que cette fille vient? Comment est-ce que j'ai pu mettre au monde un enfant aussi démoniaque? Comment? Je savais qu'Adaisy était capable de tout faire. Mais je n'avais jamais imaginé que ça pouvait aller à ce point. Oh. Rendre quelqu'un fou. Qui sait si elle n'est pas responsable de la maladie de père? Pourrait-elle? Mère, je ne lui fais pas confiance. Dans ce cas, je dois la confronter immédiatement. Non, mère, non. Vous ne devez pas le faire. Ah. Elle pourrait faire pire que ça. Je suggère que nous restions calmes et que nous gérions ceci pas à pas. Oh, Dieu. Adaisy. Okay. Où est cette viande? Quoi? Voilà ça. Tu as envie de dire que je mange sans cuisine? Papa, maman, tu es là? Mon enfant. Bon appétit. Bienvenue. Hey. Tu as peur de la nourriture. On parle de nourriture, il a peur. Lave ta main. Lave ta main du nord. Viens manger. Je suis chanceux. Alors, dis-nous, comment s'est passée la journée? Hé, hey, papa, pas mal du tout. Merci, Seigneur. Hey, grâce tu à es Dieu. Grand. Papa, il faut Nani à m'appeler aujourd'hui. Ah bon? Elle m'a dit qu'ils vont rentrer demain. Ma fille. À l'entendre au téléphone, elle semblait aller très bien. Elle a commencé à aller à l'école là-bas. Tu vois tu ma fille? Dieu est grand. Hey, ouais. Comme ça, je vais revoir ma fille. Oh oui. Vous voyez que les voies de Dieu sont impénétrables. Voilà que tout devient meilleur pour nous, n'est-ce pas? Mon mari, tu peux très bien chanter la chanson. Oui, Dieu est grand, merci Seigneur. Quelle merveille il fait dans nous. Dieu est grand. Maman, cette sauce est très bonne. Non finis pas notre nourriture. Nous avons juste pitié de papa. Toi. Papa. Papa, c'est mon premier repas depuis le matin. Alors que vous êtes resté vous laissez-moi manger au moins. Ne finis pas, mon mari, tu vois ton fils. La viande, je devrais avoir du viande. Arrête ça, pas. Les enfants ne mangent pas la viande. Oh. Mon mari, Ucheina va finir cette nourriture. Ucheina. Oui. Bienvenue, grand frère. Oh. Tu m'as manqué. Bienvenue à la maison. Entre, entre, entre. Bienvenue, fils. Père, ton fils est de retour. Père, allez. Ça fait longtemps et j'ai tout oublié. Majesté, votre fils vous salue. N'êtes-vous pas content de le voir à la maison? Bien, voici Ifunanya, la fille de Mazia Chebe de ce village. Je crois que vous le connaissez. Votre Altesse, votre Majesté.
Je l'ai rencontré et je suis tombé amoureux d'elle la première fois que j'étais ici, maman. J'ai demandé sa main et elle a accepté. À cause des problèmes dans la famille, je devais l'emmener en Amérique, histoire d'apaiser les cœurs. Et là-bas, nous nous sommes mariés à la mairie. On l'a fait. Et aujourd'hui, je la présente officiellement à toute la famille, comme la femme avec qui je vais passer ma vie. Sois la bienvenue. Ah, bienvenue ma chère. Viens, viens par là. Oh. Maman, maman, elle ne bienvenue. Savait même pas que je Prends suis place. Enceinte. Vraiment? Ouais. Très bien, fils. Ouais. Assieds-toi. Sois la bienvenue. Bien. Ma belle fille, c'est un bon choix. Bienvenue. Majesté. 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 Mentalement stressé et sa tension artérielle est élevée, donc il doit se reposer. Avant que je n'oublie, il doit bien se reposer. Vous comprenez? Comme ça, il pourra avoir l'esprit plus clair. D'accord, merci beaucoup. Je lui dirai. D'accord. J'allais oublier. Je repasserai demain soirée pour voir comment il se porte. D'accord, docteur. À Dieu, que tu as finalement découvert que tu étais désespéré. Je suis maintenant content. Quand une âme se répand, les anges se réjouissent. Même Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié sur la croix. Je n'ai rien dans mon cœur. Je t'ai pardonné. Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, ma fille. Êtes-vous en train de me dire que vous me pardonnez? Lève-toi, lève-toi, allez. Merci, merci, je suis tellement contente. Merci. La seule chose que tu as à faire maintenant, c'est de me rejoindre et proclamer la bonne nouvelle. Ok? Oui. Que Dieu te garde et ne pêche plus. Bon. Merci. Dieu te bénisse. Allons-y. Allons-y. Eberaka Messie. Eberaka Messie. Otutotuko. Otutotuko. Ezemo. Qu'est-ce qu'il y a? Ezemo. Que se passe-t-il, Ezemo? Quoi? Lorsque ceci tombe, il y a un problème dans le royaume. Je dois le découvrir. Ezemo, s'il te plaît, pas maintenant. Pas maintenant. Je sais que mon frère arrive aujourd'hui. Nous devons l'éliminer. Oh. Quoi?
Nous ne pouvons pas le tuer, Votre Altesse. Nous ne pouvons pas le tuer. Il y a une force puissante qui le garde. Mais il y a un autre moyen. Nous pouvons canaliser son esprit pour qu'elle ne soit plus jamais intéressée par le trône. Oui. Papa, maman, s'il vous plaît, je voudrais m'excuser auprès de vous une fois de plus. Honnêtement, j'ai pris ce risque pour l'intérêt de cette famille. Et Dieu merci, nous l'avons fait. C'est d'accord. Bien. Au départ, je dois dire que j'étais vraiment très déçu, mais... Nous rendons grâce à Dieu que ce soit rentré saine et sauve. Oui. Et aussi platonique qu'on prit les choses. Et Dieu... Les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui. Voilà. Oui. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mon mari, tu as tout dit. Regarde notre fille. Elle ressemble à une princesse. Qui aurait imaginé qu'Ifunanya est aussi belle? Tu as raison, hein? Tu as raison. Ta fille est vraiment comme une princesse. Mais elle brille. Je me rappelle encore quand tu es partie. Comment maman pleurait. Ifunanya oh! Ifunanya oh! Ifunanya oh! Méfie-toi, jeune homme. Je suis ta mère. Cet enfant du clan tu es. Si tu me cherches, tu vas me trouver. C'est terrible. Ça va. C'est bon. Rendons grâce à Dieu. Voilà, maman. À vrai dire, Onoti est un homme bien. C'est vrai. Avec un bon cœur. Hey, je ne savais pas qu'il était le prince de ce royaume jusqu'à ce qu'on arrive à l'étranger. Je prie pour cela. Je t'assure. Incroyable, ma sœur. Maman. Oui. Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on n'aura pas encore vu dans ce royaume? C'est vrai. C'est vrai, mon fils. Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial chez cet homme. Tu l'as dit. Tu te racontes? Nous ne connaissons même pas notre propre prince. Comment aurions-nous connu notre prince? Je ne sais pas si ce regard de l'intérieur à chaque fois qu'il se réveille de son sommeil. Dans ce royaume, il est unique. Comment l'aurions-nous connu? Exactement, exactement. Maman, je suis d'accord avec toi. Alors, grande sœur. Oui? Quelle est donc la situation au palais? Otiena, mon frère. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Et nous espérons qu'il nous rendra grâce. Amen. 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 Maman, es-tu heureuse? Ma fille. Oui, je le suis. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton problème? Père, je n'arrive pas à croire qu'ils ont pu me faire cela. Ils m'ont trahi, père, ils m'ont trahi. Je me déteste d'avoir été aussi idiote, aussi stupide, d'avoir cru en eux. Je me déteste, père. Oh, ça suffit. Ça suffit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, ça suffit. Le roi Ubaka et son fils ne peuvent pas faire de ma fille un objet du ridicule et s'en tirer impunément. C'est impossible. Je vais en finir avec ce garçon et il saura pourquoi est-ce qu'on m'appelle Oburilo Boucher. Personne ne peut me marcher sur les pieds, lui, sans goûter à ma colère. Désolé, ma fille. Désolé. Je vais m'en charger. Désolé. Qu'allons-nous faire, vu les circonstances? Le prince est de retour. Notre roi est gravement malade. Nous comptions sur Patrick. Il est devenu fou dans les rues. Dis-moi, mon frère, que fait-on, hein? Bah, mon ami. Hein? Pour te dire vrai, je suis vraiment confus. Parce que toute cette histoire est de la faute du roi. Si seulement le roi nous avait écoutés, tout ceci ne serait pas arrivé. Et c'est parce qu'il ne nous a pas écoutés que tout ceci arrive. Tu as raison, tu as raison. Je sais, mais... Est-ce qu'on peut arrêter de se lamenter sur la situation et trouver des solutions? Comme quoi? Comme le conseil qui doit prendre une décision de... me couronner comme le prochain roi de ce royaume. Oui? Bah... Hein? Même-toi? Que veux-tu dire? Permets-moi. Bah, toi aussi? Ne suis-je pas capable? Je peux être couronné comme prochain roi de ce royaume, oui. C'est possible, c'est une bonne option. Ushukulu,
Ne suis-je pas raisonnable? Bah, toi aussi? Toi? Mais oui, ne pose pas ce genre de questions, c'est stupide, hein? Pense-y. Je t'assure que c'est pour le bien de notre communauté. Okoro! Okoro! Hey! À quoi Koko signé qui est? Wenyupo? Quand n'y a non? Hein? Et vous, Koko, quand t'as dit qui est? Quand oui qui est non, non? Dieu peut guérir et délivrer de l'esclavage. Malgré toute ta richesse et tous tes biens, ces choses ne pouvaient pas te sauver. Maintenant, Patrick, glorifie Dieu. Il est incroyable. Glorifie Dieu.
Notre Dieu est grand. Patrick, viens, viens. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu es pardonné, mon frère. Désolé, je suis vraiment désolé. Tu es pardonné. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, frère Onoshi, s'il te plaît un instant, viens un instant. Prince Onoshi. Pasteur. Dieu a fait des choses merveilleuses dans ta vie. Et tu es une bénédiction pour cette génération. Pasteur, c'est la volonté de Dieu. Oh, très bien. Dieu est merveilleux. J'ai toujours prié, encore et encore. Et chaque fois que je prie, Dieu m'a toujours parlé te concernant. Oui. Et il m'a toujours dit que toi, tu allais marcher selon ses pas. Et ça, c'est le seul travail que tu feras. Pas un autre. Alors, dis-moi, est-ce que c'est mal de... Est-ce que c'est mal d'avoir un pasteur royal? Ce n'est pas mal. Alors, Altesse, et vous n'avez pas le choix parce que le bon Dieu vous a déjà béni. Et a béni beaucoup d'autres personnes à travers toi. Alors, vous n'avez pas d'autre option que de vous soumettre à la volonté de Dieu. Oui. Passe. Est-ce que ça veut dire que Dieu a dit que je serais un pasteur royal? Exactement. Ce n'est pas mal d'être un pasteur royal, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout mal. Pasteur, de toute façon, que sa volonté soit faite. Oh, elle est déjà faite. Loué soit le Seigneur. Oui. D'accord, pasteur. Merci. Oh, Notier, mon fils, je suis si contente de la façon dont le Seigneur t'utilise dans cette communauté. Maman, il y a beaucoup à faire. Nous n'en sommes qu'au début. Mais loué soit le Seigneur. Ah, qui aurait pu le croire? Que Patrick serait né de nouveau. Comme je le disais, c'est un très grand miracle. Un très grand miracle. C'est vrai. Dieu a décidé d'être clément pour qu'il puisse lui faire confiance. Je suis vraiment heureux qu'il ait finalement donné sa vie au Christ. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur l'aidera. Je souhaite qu'un remède pareil soigne la maladie de Père. Vous savez, nous ne pouvons pas dire à Dieu quand faire les choses et comment les faire. Ayons juste la foi. Et Dieu le fera. En ce qui concerne Ifunanya, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue. Elle nous manque dans cette maison. Elle est allée voir ses parents. Et je vais l'inviter à nous rendre visite très bientôt. Ça, c'est bien. Merci, Dieu. Nous remercions Dieu. Choku Emeka Onoche. Choku Emeka Onoche. Choku Emeka Onoche. Pour avoir insulté ma fille, aujourd'hui je te rends aveugle. Quand tu te réveilleras demain, tu ne seras plus en mesure de te servir de tes yeux pour le restant de tes jours. Et tu ne seras plus qu'un pauvre prince aveugle. Et je verrai comment tu feras pour régner dans ton royaume avec les yeux fermés. Tu vois ça? Ah oui. Ah, j'ai vraiment touché la cible. Je m'en suis chargé. Tu as vu?
demain. Hein, je me réjouirai de mon action. Je te fais confiance, père. Père, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. C'est une blague, elle est très bien. Je ne vois plus rien, je te dis que je ne vois plus rien. Je te jure que je ne vois plus rien. Est-ce que je suis devenu aveugle, ma fille? Kaima, donc ton père est aussi diabolique? Il allait rendre mon frère aveugle. Dieu nous enseigne. Ma sœur, je remercie le bon Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je sais qu'ils se rassembleront. Et si ce n'est pas pour le bien, alors ils se disperseront. Ils sortiront contre toi par un chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. Dieu est fidèle. Que le pardon est divin. Pitié. Pitié, fais un effort de leur pardonner, s'il te plaît. Pardonnez-leur. S'il vous plaît. Pitié. Je l'ai déjà fait. C'est l'Éternel qui combat. Viens. Sainteté, digne
vraiment désolé, homme de Dieu. Oh, je suis désolé, homme de Dieu. Levez-vous. Levez-vous. C'est le diable. Nous péchons contre l'Éternel tout le temps et il nous pardonne. Pourquoi ne pas vous pardonner? Oh, Dieu vous accorde. On ne vous dit pas, maintenant vous pouvez vivre pour nous. Oh, mon prince, je suis vraiment désolé. Je vous remercie du fond de mon cœur. Ma fille et moi-même avons appris une leçon. Je confirme que vous servez un Dieu vivant. Et je vous souhaite du bonheur dans votre mariage. Merci, vous avez ma bénédiction. Voilà. Mes serviteurs et moi-même servirons ton Dieu. Loué soit le Seigneur. Je souhaite que vous veniez prêcher votre parole à mon peuple pour qu'il sache justement ce que j'ai vécu. Et je souhaite aussi que vous veniez construire des églises dans ma communauté, dans mon royaume, afin que désormais toutes les idoles qu'on a jadis adorées soient totalement détruites. Loué soit le Seigneur! Alléluia! Alléluia! Et le Tout-Puissant! Amen! You are great, yes, you are holy! Je prie pour vous. Vous irez bien. Je ne pense pas que je vais vivre. Je suis sur le point de mourir. Votre Majesté, ne parlez pas ainsi. Vous avez encore plusieurs années de règne. Et en tant que le roi du royaume Obori, ne parlez plus ainsi. Non. Fils, je pense que je pense que ton Dieu est vrai. Oui, le Dieu que tu sers est un vrai Dieu. Tu feras un bon roi. Oui. Écoute. Achebe et sa famille. C'est eux les propriétaires du terrain sur lequel ce palais a été construit. S'il te plaît, quand je serai parti, qu'il soit payé pour ce terrain et construis une maison pour lui. De toute façon, Votre Majesté, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, Votre Majesté. Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté! Père! Votre Majesté! Votre Majesté, ne faites Père. Pas ça! Owen, qu'est-ce que c'est? Owen, qu'est-ce que c'est? Ma bouche a peur de dire ce que mes yeux voient en ce moment. Sa Majesté est morte. Ah! Abandonné! Abandonné! Abonnez-vous!
baobab de la famille Ushendu vient de tomber. Votre Majesté! Gobanié! Aïe lélé, aïe lélé, aïe lélé, aïe lélé. Igwe, c'est quoi qu'on veut nous faire? Aïe lélé. Onyane menkiri adiromi bontuwe. Aïe lélé. Ine wumadwe isini na chochichi. Aïe lélé. Ina nara wombe elanike kini komeregi. Aïe lélé. Iwerego idi enyere mumadaka. Aïe lélé. Isini bonyo chichi ibonye nduwe igwe. Aïe lélé. Igwe banyiye wepo akonwe nofe. Aïe lélé. Aïe lélé. Igwe. Aïe lélé. Igwe banyiyo. Aïe lélé. Wepo akonwe nofe. Kogariga kamadwe. Mpuro nye kuro kogagoro. Iyo nye mezara kogeburu. Aïe lélé. Que fais-tu ici? C'est quoi ce genre de questions stupides? Ouéré, tu la fermes et tu t'assieds. Je suis venu rendre un dernier hommage à notre roi et le préparer pour ce voyage. Et aussi faire connaître la volonté des dieux à l'égard de ton père et au couronnement du futur roi. Aisez-moi ou peu importe comment on t'appelle. Mon père a donné sa vie à Dieu avant de mourir. Par conséquent, l'église va enterrer mon père. Onochi, tu mens. Lis sur mes lèvres. Je dis que tu mens. Encore un mot qui sorte de ta bouche et je te chasserai de ce palais. Est-ce que c'est clair? Quant à toi et ces mots, que ce soit la première et la dernière fois que je te vois dans ce palais, dehors! Sors d'ici! Je m'en vais. Mais... pas de mais! L'église va enterrer mon père. Moi, Onochi, le seul héritier du trône de ce royaume, dit que l'église va enterrer mon père. C'est ce qu'on fera. D'accord. Hey, incroyable. Je n'arrive pas à croire que le prince ait fait enterrer le roi par l'église. Dieu merci, ce royaume a vu la lumière. Ma sœur, ce n'est pas aussi facile. Hey, as-tu vu la prière ce jour? Même les anciens dansaient sur la musique chrétienne. Hey, ça ne s'était jamais produit auparavant. Mon Dieu, merci mon Dieu pour la bénédiction que tu nous accordes à travers le prince. Que cela dure. Amen, oh, amen ma sœur, amen. Hey! Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas possible. Hein? Ceci ne peut pas arriver. Hein? Non. Onochi ne peut pas devenir le roi de ce royaume. Non. Ça n'arrivera pas. Hey. Quoi? Quoi? Hey. Ah. Hey. Je ne peux plus voir. Je suis devenu aveugle. Hein? Attends, attends. Hey. Je suis devenu aveugle. Non, Onochi ne peut pas monter sur le trône. Ce n'est pas possible. Mais... Oh. Hey. Aveugle. Attends. Je ne peux plus voir. Je ne vois plus rien. Plus rien. Hey. Onochi ne peut pas devenir roi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire cela. Aisez-moi. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu dois faire quelque chose avant qu'il ne commence à se pavaner comme roi. Ma princesse, je ne peux pas le tuer. Toutes les tentatives pour le tuer n'ont pas porté des fruits. Quoi? Oui. Tu ne peux pas faire quoi? Après avoir couché avec moi de jour comme de nuit, tout le temps, tu dis que tu ne peux rien faire? Ah, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Un instant, laisse-moi réfléchir. Mon Altesse,
Avez-vous une photo de lui? Oui, bien sûr. Donne-la-moi.
pasteur. Oh, je vous salue, mon Altesse. Oui. Je vous salue. Oh, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voici un chèque de 20 millions de naira pour me rassurer que la construction de la cathédrale ne sera pas en arrêt. Quoi? Eh oui, tenez, pasteur. 20 millions de naira! C'est la parole de Dieu. De la part du prince! C'est vraiment généreux! Nous servons vraiment un Dieu merveilleux! Incroyable! Dieu nous a donné assez! Et nous devons lui rendre l'appareil! Oh mon Dieu! C'est énorme! Incroyable! Mon prince! Vous ne serez jamais dans le besoin! Amen! Je dis, vous ne serez jamais dans le besoin. Amen. Oh. Et cela s'accompagnera même dans votre famille. Amen. Ah, et parce que vous avez donné à votre prochain, vous ne serez jamais dans le besoin. Amen. Et comme les étoiles dans le ciel et toutes les étendues de mer ne manquent pas d'eau, amen, ainsi sera votre postérité. Amen. Waouh, je suis tellement excité. Incroyable. Merci infiniment. Pas quoi. Merci infiniment. Vous êtes si généreux envers l'Église. Ah, et ça a toujours été ainsi. Vous ne serez pas dans le besoin. Amen. Vous ne manquerez de rien. Merci beaucoup. Je suis vraiment excité. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Oh, mon Dieu. Bonne journée, pasteur. Au revoir. When the righteous is on the throne, the people rejoice. When the righteous is reigning in the land, the people rejoice. Never mind that I am a prince, I love the work of God. Never mind that I am a prince, I will reign as a pastor. I am a prince with a difference. I am the royal pastor. I know they do what I know. I am the royal pastor. And I'm a chepusioma. I am the royal pastor. And I'm a nerendo benaka. I am the royal pastor. I am the next Igbeho. I am the royal pastor. Onye chinere segachi o. I am the royal pastor. Adeza diga seza so. I am the royal pastor. Papa Chibé. Oui. Papa Tibé, vous êtes mon beau-père. C'est exact. Dieu s'est rappelé de vous aujourd'hui. Amen. Amen. Parfois, quand certaines choses se produisent, vous croyez que vous êtes mort. C'est vrai. Sans savoir que Dieu utilise certaines situations pour vous changer. Oui. Et qui s'avère être une bénédiction. C'est exact. Papa Tibé, avant que mon père ne meure, il m'a dit qu'il avait arraché votre terre. J'avais déjà oublié cette histoire, honnêtement, je l'avais déjà oublié. Pour construire son palais royal. Je n'y pensais même plus. Mais avant qu'il ne meure, il m'a demandé de vous dédommager. Moi? Oui. Papa Tibé, cette maison vous appartient. Ah non, non, je rêve, non. Ce n'est pas vrai. Mon beau-fils, comment? C'est pas vrai. C'est pas Papa Tibé. Hein? Cette voiture est la vôtre. Hein? Hein? Je rêve. Passe-moi, qu'est-ce que tu me pèse? Est-ce que je rêve? Ça, c'est terrible. Je sens plein rêve. Wow. Papa Tibé, hein? Voici un chèque de 10 millions de naira. Hey! Oh, attends. Ah! Mon mari. Ah! Je rêve. Ah! Je rêve. Si vous me pèse, c'est moi. Dites-moi que je suis dans le rêve. Merci. Fais-moi voir. Oh. La pauvreté, mon mari. Ah. Oh mon Dieu, je veux dire que c'est notre maison. Bon, c'est notre maison. Maison. Oui. C'est ma maison. Bon, mon bon mari. Hey. Maman, regarde tout cet espace. Papa, regarde. Oh, Gina, fais-moi voir. Fais-moi voir. Je suis notre papa. Papa, regarde. Mon mari, regarde. C'est notre maison. C'est notre Naira. Je vais voir ça. Pauvreté, tais-toi. Tais-toi. Attends. Mon mari, viens voir. Mon oncle. Pauvreté, tu es pas.
Papa, va-t'en, ne reviens pas. Papa, lève-toi. Attends, je me lève. Marie, lève-toi. When the righteous is on the throne, the people rejoice. When the righteous is reigning in the land, the people rejoice. Never mind that I am a prince. I love the work of God. Never mind that I am a prince. I will reign as a pastor. I am a prince with a difference. I am the royal pastor. I know they do why yo. I am the royal pastor. And I'm a chekosioma. I am the royal pastor. And I'm a gerendo benyaka. I am the royal pastor. I am the next righteous is on the throne, the people rejoice. When the righteous is reigning in the land, the people rejoice. Never mind that I am a prince. I love the work of God. Never mind that I am a prince. I will reign as a pastor. Dois-je poursuivre? Dois-je poursuivre? Vas-y, parle. Reçu. Par les pouvoirs qui me sont conférés, en tant que fuseur de roi de ce royaume. Oui, oui. Vas-y, poursuis. C'est ce qu'on attendait. Ce jour, prince Onotier, en tant que roi Chukwu Eze, premier du royaume Oboni. Mon peuple, je veux que vous sachiez que je serai fidèle à nos traditions, sauf bien sûr à des traditions de fétiches qui contredisent ma foi. Je remercie Dieu en ce jour car cette communauté a vu la lumière. Nous allons à présent introduire Sa Majesté à son peuple qui attend impatiemment à l'extérieur. Exactement, allons-y. Hey!
royaume d'Oboni Onoyu. Onoyu, ancien. Je remercie mon peuple. Le bon Dieu vous a béni. Je suis heureux en ce jour. Je sais que tous ici présents n'êtes pas heureux. Dorénavant, nos enfants iront à l'école gratuitement. Les soins de santé le seront aussi. Tous les diplômés ici présents, soumettez-moi vos CV. Je me rassurerai que vous soyez engagés dans votre domaine. Je veux aussi me rassurer que tous les jeunes soient autonomes. Élevons son nom. Le futur de ce royaume est béni. Merci à vous, mon peuple. Votre Majesté.